Mais tu veux mettre ta cagoule, tu fais un rush Uzi, tu fais un aller-retour. Tu tires pas, juste tu fais un aller-retour. Je Tu fais un simules, rush. tu fais un rush jardin. Frère, comme il court. Un tour du terrain. Attends. Ramène. Frère. Frère, comme il court. Les gars, regardez comment je me suis habillé. El jefe de los jefes de los Santos. Ah oui, il y a un attentat, les gars, je vous ai pas dit. Je vous montre, je vous montre. Ça a pété. Oh, oh c'est bon. Oh. On a le pauvre. Hey, ping ping. Ça a dit de travailler au Bahamas? Ok, c'est ça, ouais. Dites-moi, monsieur le proc, en quoi puis-je vous aider? Vous aviez des photos ou des... Oh oui, oh oui, oui. Là, par exemple, j'ai souligné une photo de Walker en civil. Ouais, c'est là qu'ils m'ont tabassé, ces fils d'épée. Ils nous ont laissé ici comme ça, attachés ici, ces fils d'épée. Tiens, 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 Sully. Mais moi aussi, j'étais en détail, là. Tête à claque numéro 1, tête à claque numéro 2. Comment ça va, les mecs? Jefe de los... Aïe, 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 aïe. Ouais, j'ai vu, ouais. Mais c'est une bombe. Mais tiens, 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 mais t'es malade, toi ou quoi? Et il y a écrit Marabunta. Tu vas faire quoi avec ça? J'ai pas... Attends, je comprends pas. Je vais exploser leur laboratoire ce soir. T'es réfé? Ouais. Bah, comment tu veux? Allez, réfé, on est ensemble. Viens, viens, on essaye de s'infiltrer, viens. Ah ouais, ça commence, il a duré 5 secondes. Hein. Là, le réfé, il est en bas, regarde. Il a balancé un coquille, il est mort. Il a levé les mains parce qu'il s'est fait éclater. J'ai pas vu. Attends, t'as mis un camion dessus. Attends, mais pourquoi on est que deux geek là pour les ramener des meufs? En attendant, je vais tirer sur les oiseaux. Hello. Salut, ça va quoi? T'as dit celle-là ou quoi? Celle-là, tu l'as vu celle-là? Oh merde. Je pense à mon avis que je dois être un démon ou je sais pas quoi. Bon, tu vas descendre du bateau tout de suite. Une entité? Attends, t'es un genoune? T'es un démon? Moi, la vérité, moi, je voulais juste me débarrasser d'un stock assez conséquent que j'avais. Je suis pas là pour 107 ans, quelque chose comme ça. Au pire des cas, vous réfléchissez entre vous, la deux porte conseil, et puis vous me direz demain. Mais comme auto, il est avec vous? Non, pas du tout. Non. Vas-y, bah vous me direz que vous avez vendu pour combien et puis on fera un petit calcul. Allez, ça marche. Mais wesh, attends, mais... Wesh, c'est ma voiture, ça. Wouah, la dégaine QG, wow, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'elle fout, là, ma caisse? Ah oui, c'est vrai, le mec, il a vendu pour moi. Donc c'est bon, pour la mettre, les gars, il a vendu. Le total pour l'essence, c'est 28 500. Sans les pourcentages, je lui dis, bah, ramène-moi 21 000 sur les 28 500. Ça fera les 25%. Rappelez le petit groupe auquel j'ai vendu la mettre. Juste avant que je flingue le mec là, le cher. C'est ma voiture en plus. Qu'est-ce qu'elle fout là? Coup de coude. Non, le coup de coude, coup de coude. Voilà. Bonsoir, Seigneur Janez, comment ça va? Oui, c'est Juan? Non, Alejandro du coup. Ah ouais, putain. Alejandro. C'est un coup, Alejandro. T'es où là? Tranquille, toi. Là, ouais. Je suis à Sanji, puis je me fais contrôler. T'es où? À Sanji Shore. Ah, Sandy Shore, vas-y, bah quand t'es dans le sud, passe me voir pour l'argent. T'as reçu mon SMS ou pas? Non, j'ai pas reçu ton message. Ah, t'as pas reçu mon message? Non, j'ai pas reçu, non. Bah, tu m'as dit que t'avais vendu pour 28 500, on est d'accord? Ah, oui, c'est bon, ça va pour ça, je t'ai envoyé. Ouais, bah voilà, bah c'est bon. Bah, vas-y, tu me dis quand t'es là, ça marche? Là, dans 10 minutes, ça te va? Vas-y, pas de soucis, tu me rappelles. Allez, ah, salut. Là, vas-y. Faut que je m'habille hood, mais pas trop hood non plus, tu vois. Ouais, je vais appeler Tony. Ça va quoi, tranquille? Ouais, ça va, hijo de puta, t'es où là? Ça va, hijo de puta, toi, ouais, je suis au cinéma là. Qu'est-ce que tu fais au cinéma? Je vais mettre le match pour des personnes qui veulent le voir. Le match? Ouais, le match, mon pote. Vas-y, j'arrive, vas-y. C'est que les commentaires, hein, c'est pas le match. Hein. C'est parce qu'en fait, ce soir, c'est la Ligue des Champions. Ouais. Ah, c'est ici, c'est le match, je crois. Ça va ou quoi? Ma voiture, enculé. Non, mais tranquille, non, c'est rien. Mais pas, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Ça va ou quoi, sale chien, va? Ta mère, elle se ferait fils de chien. Commence pas à parler de ma mère, la grosse. D'accord? Commence pas. Quoi? T'as dit quoi? Ça dit quoi? Ouais, ta gueule. Galek, un jour, j'aurai mon nom gravé sur. Là, ta grosse tête, ton gros cul là sur les étoiles de Hollywood. C'est un ouf, lui. Eh, j'ai envie de m'habiller un petit peu comme toi. Un peu hood, mais pas trop. Attends. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Mais je suis au téléphone, là, tu fermes ta gueule. Espèce de fou, voilà. Excuse-moi, ma petite. Du coup, ouais, en vérité, j'ai envie de. Il parle en même temps, il me casse les couilles. Je te rappelle. Eh, ta voiture, elle est en feu? Oh là là! Non! Sauf! Je sais pas si c'est une bonne idée de rester à côté en vérité. Hein. Non mais t'inquiète, viens m'aider, ah, wesh! Ah, ça va. Vas-y, attends, je vais souffler un peu. Vas-y. Ça va? Mais toi, t'es trop un mec, je te jure, t'es. Ouais, touche-moi, tu vois. Vas-y, touche-moi. T'oseras même pas. Oh voilà. C'est la fin, Tony. Je crois que c'est la fin. Oh non, tu m'as fait peur, boy. Non, mais tranquille. Ouais, je t'ai sérieux là. Oh, tu m'as fait peur, boy. Non, mais t'inquiète pas, mon bébé d'amour, t'inquiète pas, c'est pas grave. Ouais, wesh. Ah, ça y est, je suis sérieux. Lâche-moi. Ça va, monsieur? Ouais, ça va. Alhamdoulilah, j'ai mangé des spaghettis là, je suis blindé, vous. Ah, mais c'est notre garde du corps. Il travaille pour nous. Comment ça, notre garde du corps? Bah, du Bahamas. Je travaille pour vous. Enchanté, autant pour moi. C'est ton patron. Attends, tu l'as payé? Ouais, j'ai donné l'argent à Nicolas. Non, moi,
Moi pas avoir reçu. Bah toi voir avec Nikolai, sinon toi b**er la mère de Nikolai. Sinon ça va toi? Ça dit quoi? Ça va, trop bien. Tu faisais quoi là, si c'est pas trop indiscret? Sur mon boulevard. C'est ton boulevard. Ouais, faut pas chipoter, hein. Normalement c'est l'autre côté, mais vas-y celui-là c'est le mien aujourd'hui. Je suis désolé. Non, sérieux? T'es désolé? Est-ce que t'es entrepreneur? T'es entrepreneur ou pas? Dans quoi? Allez tiens, c'est bon. Moi j'adore. Moi j'ai envie que les entrepreneurs y prennent le dessus. Fuck les voyous, vive les entrepreneurs. Wow. Oh, il a éternué. Oh, il a éternué. Oh la vache. Ah ouais. Oh putain, c'est grave, hein. T'as de la mort, mon pote. Par contre, enlève ta main. Ah ouais, donc toi t'éternues, mais en fait tu... Ah, t'es dégueulasse. Ouais, tu me dégoûtes. Attendez, il y a un mec qui va nous rentrer dans le mauvais kill là. Là il démarre au calme. Quoi? Là il fait une marche arrière. Là, okay. On va le gommer. Là il repose. Ah ça va. Ah c'est à vous ça? Bah oui, on a gagné au casino. Ok. Bon bah bonne soirée messieurs. Vous allez où monsieur avec mon véhicule? Ok, je rends. Mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête pour voler des véhicules monsieur? Je fais pas bien. Bah je vois ça, mais qu'est-ce qui se passe? Attendez, je... Tony, super belle. Tony fume le lacalache. Oui, Alejandro. Oh, arrête. Ça va? Là j'arrive au Bahamas, je suis en train de niquer. Mec, j'arrive. Vas-y, c'est bon. Vas-y, à tout de suite. Tu comment toi? Espèce de fou. Ouais, t'es malade. T'es malade toi? Mais je vois pas trop souvent des véhicules comme ça. T'es un starbé? Dis-moi, t'es entrepreneur? Non. Ah dommage. Parce que moi j'encourage vraiment les gens qui entreprennent. Donc voilà quoi, si t'es pas entrepreneur, on peut pas trop faire business avec nous. Tu t'appelles comment mon gaillard? C'est Beggy. Beggy? Ouais, Beggy. Beggy, d'accord. Et tu rentres souvent dans le véhicule des gens comme ça? Espèce de malade? Non. Bah, faut juste celle-là. Parce qu'elle est super belle. Ouais, elle est super belle, mais tu vois, tu peux me demander et je t'aurais fait un tour gratos, tu vois. Excuse-moi. C'est pas grave, je t'en supplie, y a pas de soucis. Tu viens faire quoi sinon ici? T'es dans le quartier? Bah non, j'habite au niveau de Forum Drive. Forum Drive, c'est où ça? Chez les trous de balles là, les Families. Ah les Families! D'ailleurs, on les voit plus les Families! Bah ouais. Si. Ah, tu les as butés. Ouais. Avoue, tu les as butés. Non. Tu les as butés. Allez, entre nous, allez. Non. Tu connais Simba? Tu connais Simba? Ouais. Tu l'aimes bien? Ouais, c'est mon pote. Allez, c'est la bonne réponse, c'est bon, t'as gagné. Oh, merci. Tu feras 50-50 avec lui, vas-y. Oh, mais vous êtes trop généreux. Nous, on doit filer, j'ai un rendez-vous pour buter des mecs, ça marche? Prends soin de toi, okay. Bisous. Prenez soin de vous, et des journées encore. C'est pas grave. Non, c'est rien, t'inquiète. Mathieu, mais vous me laisserez voler un jour, hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Faut que je te présente quelqu'un. Rendez-vous Bahamas juste par rapport aux mecs qui ont vendu de la meth pour nous, récupérer l'argent et puis. On va aller au Bahamas et je vais donner rendez-vous, mon pote, écoute bien, à une danseuse qui veut être recrutée. Wow! Là tu discutes avec moi. Là, je sais tout. Ouais, là je sais tout, oui. Là, tu te jouis même. Là, t'aimes bien ça. Ouais, en plus, moi, je connais tes goûts. Et je sais que cette meuf-là. Comment tu sais? Je connais. Parce que tu sais que je kiffe ta mère. Voilà pourquoi. Arrête de me frapper quand je conduis, wesh. Arrête de poigner ma mère, oui. Casse les couilles, lui. Bah, toi, en fait, tu peux m'insulter toute ma génération, y'a pas de soucis. Moi, ta mère, parce que je suis dans un masque, c'est ta mère. Tu peux pas. Ouais, bah oui. Bah, c'est bon, c'est que ta mère, hein, c'est pas comme si c'était ta sœur. Hein. Bah, c'est quand même ma mère. Elle m'a porté 6 mois dans son ventre. 6 mois? Bah, t'es oui. Un koala ou t'es un être humain, toi? Moi, mais c'est 9 mois, normalement. Non, moi, 6. Ah ouais, le prématuré, où pointez-lui du doigt, le prématuré. N'importe quoi, arrête. Précoce, ah ouais, toi t'es arrête, précoce depuis la naissance quoi. N'importe quoi, arrête de te moquer de moi. Tu vois, la prof qui était pisseau. Ah, je t'ai pas dit. Ouais, hier j'ai fumé un mec. Transaction derrière le Bahamas, je mettais on était en train de charger la mettre dans la camionnette. Et un mec il arrive, moto noir, lui tout noir, il m'a tapé sur système, je sortais un flingue, je l'ai flingué au calme. Quoi? Non je te jure. C'est lui là non? Ah non, mais ça fait deux fois qu'on le voit lui. C'est qui? Monsieur? Je sais que c'est la deuxième fois qu'on le voit. Je l'ai fumé une fois avec Johnny. Salut! Ça va? Monsieur? Voilà, c'est un muet je pense. C'est bizarre hein. Allô Manuel? Hola hola. Ouais, ça va Manuel? Comment tu m'as manqué? Toc toc toc, qui voilà. Toc toc toc, qui est là? C'est ta daronne, hijo de... Hein? Hey Manuel, ça va quoi? Tu me parles à moi là? Non. Déjà tu me raccroches dessus. Non, en fait je suis en train de soulever un mec, c'est pour ça. Il est con, il parlait pas, j'ai pas compris. D'accord. Ça va Mathieu, tu vas bien? Ouais, tranquille, on est là Manuel. J'en ai rien à foutre. Ah. Oui, vas-y, t'allais me dire quoi? Je suis avec le fils de Tony, il est avec moi là. Ta mère. Ah ouais, d'accord, tu lui mettras une tarte de ma part. Vas-y, ça marche. Ouais, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi, tu es disponible, il faudra qu'on se voit. Ouais, je suis au Bahamas là. T'es au Bahamas? Ouais. Très bien, il va arriver, je suis à Caillou encore. Vas-y, tu me tiens au courant, de toute façon, je suis là, je vais t'accueillir. Bah, allez, ça marche. Il va nous parler, il va arriver au Bahamas. La danseuse, elle arrive aussi? Bon, c'est pas grave, on fera d'une pierre deux coups. On présentera un petit peu les danseuses qui arrivera à Manuel. Mais c'est qui, Manuel Guzman? Non, Manuel Ferreira.
Bah oui. Ah, moi je l'ai vu. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, madame? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'ai des trous du cul en face de moi. Tu fais quoi là? T'as besoin d'aide? Quoi, tu parles de nous là? Bah non, je parle pas de vous, je parle de mes potes là-bas là. Ah bah, elle va avec tes potes. Bah oui, mais. Ah, c'est votre soeur ou c'est vous? Attends, elle, elle a dit c'est des potes. Et vous, c'est votre soeur, faut savoir hein. Oui. Mais non, c'est ça. Ça va quoi les mecs? Ça va ou quoi? Ça dit quoi? Ça dit vraiment rien? Il a dit peur. Mais wesh, Alejandro, c'est toi! Bien sûr! Putain, mais fallait me dire que c'était toi! T'as encore changé de style, toi? Je te gare! Ah ouais! Alejandro! T'as été efficace, hein? Elle est avec vous, elle est au courant? Toujours, je te laisse compter, ouais. Non, tranquille, on fonctionne à la confiance, nous! Fonctionne à la confiance! Alors, comme ça, t'es au courant, toi? Bah ouais, c'est mon frère! Ah mais c'est toi la voiture? Ouais, je l'ai gagné hier au casino. Peux tester? Bien sûr que non! Oh, j'allais courir! Je te jure, j'étais content! Mais toi, t'es pas intéressé que par les meufs maintenant, c'est une voiture? Partout, voiture, argent et meufs. Allez, rends-le! Drogue, tout. T'as besoin de quelque chose là? D'une scooter? Ah non, moi. Tu m'avais dit ça dépend des besoins, nous on s'adapte, hein. Nous, je t'ai dit, d'une scooter, on prend, y'a pas de soucis. Hein. Ah ouais? Bien sûr. Ah, j'ai que des problèmes en ce moment, tu prends mes problèmes? J'ai des crises d'angoisse, des crises de panique, tu les prends? Ah, crise d'angoisse, je suis pas médecin, mais on Bah voilà, bah voilà. Non, vas-y, peut-être que je te recontacterai dans la soirée ou demain, ça marche. J'aurai peut-être du nouveau par rapport à ce que tu m'as demandé là. Allez, c'est bon, t'as plus de drogue à ça y est? Bon, là. Si, j'en ai encore. Tu veux? Garez-vous derrière comme hier, s'il vous plaît. Vas-y, c'est bon, on va faire ça. Vas-y, allez là, la danseuse. Bah, occupe-toi d'elle, moi j'arrive. La dégaine ça va pas là. Même la coupe et tout, faire un truc. Putain mon dos. T'as besoin d'aide ou quoi? Désolé, je passe. Passez monsieur, y'a rien. Allez-y monsieur, tranquille. Attends, mais c'est le mec qu'on a gommé tout à l'heure. Tout à fait, ouais. Allez-y, je pense. Vous avez assez de place les mecs pour une centaine de pochons? Tu mets un peu ce qu'il y a dans le coffre et on prend le reste sur nous. Ouais, vas-y, vas-y. On regarde. Le coffre, normalement, il prend 60 le coffre. Non, il prend plus. Ah, bah parfait alors. T'as toujours les bras croisés toi? Il prend 80. 85. Vas-y, du coup. Parfait, bah, je passe les 15 là. Vas-y, on va. C'est de la coca qui est? La coca. C'est de la coca. La coca. Ok, bah parfait. La coca racha. Vas-y, ça marche. Bah écoute, tu me tiens, vous me tenez au jus. Vas-y, bonne chance. Vas-y, va passer dans 3 ans. Bon, y'a la danseuse qui nous attend là. Attends, c'est la danseuse habillée en arc-en-ciel là? C'était un mec ou c'était une meuf qui t'a parlé tout à l'heure là? C'est une meuf. Wesh, t'es sérieux? Bah ouais. Oh putain, tu as trouvé où? Tu as trouvé où toi? Écoute, boy, va. Elle veut se présenter à toi et voilà, je lui dis tu viendras voir le patron, tu feras voir. Ah, les problèmes. Mais non, écoute, le Bama c'est un bar ouvert. Enfin, bon, oui, bah oui. Là, il est fermé, tu vois. Mais je veux dire, c'est un bar ouvert d'esprit. On accepte tout. C'est pour ça que je lui ai dit, attends Mathieu, pour te présenter. Parce que ouais, non, mais j'ai entendu déjà. Mathieu, quand même. Ta gueule. Tu veux que je te fasse une entrée fracassante ou pas? C'est toi que je vais fracasser, frère. Ah ouais, bah. Eh ouais, choya. Et veuillez accueillir maintenant monsieur le patron du Bahamas. Oh, des petits fans. Salut, ça va ou quoi, les gars? Bonsoir. Comment t'as dit, mon fan? Ouais, ça c'est vrai, donc du coup, bah écoutez, je me présente, Mathieu Khanez, petit du Bahamas. Tony m'a dit que c'était cette dame, c'est ça qui... Oui. D'accord, bah écoutez, je vais regarder votre prestation, effectivement, allez-y. Eh bah écoutez, c'est parti. Une dame. Comment ça? Mais non, je suis pas une dame, attendez, moi je suis pas une dame, je suis un monsieur. Ah, bah voilà, un monsieur. Je sais pas, Tony m'a dit, je te présente une meuf. C'est un monsieur sexy, c'est normal. Enfin, voilà, c'est un homme, mais qui aime danser comme des femmes, voilà quoi. Ah, d'accord. Après, pour lui, c'est une danse masculine, bien entendu. Ah, parce que lui, il m'a dit, je vais te présenter une meuf, papa, et vraiment, c'est papa, tu vas kiffer. Ouais. Donc bah, du coup, vas-y, ok, c'est parti, alors je vous regarde, je vous observe. Bah écoute, attendez, je mets la musique et c'est parti. Allez-y. Mais mettez-vous en condition réelle, en vérité, venez dans la salle. Ah ouais, on se refuse rien ici, hein, vous savez. Ça fait plaisir, hein. Oh, écoutez, hein. Écoutez, je vous laisse mettre la musique. Ouais, je vais. Tony va s'en charger. Tony, mets la playlist, s'il te plaît. Vérifie. Oh. Ouh. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal. C'est vrai que c'est muy caliente, là. Ouais. Allez, hop là, hop là. Ouais. Ça va ramener des clients, ça. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait quelques années, ouais. Ça sent, et ça sent. J'ai jamais eu l'occasion de danser dans un bar, je vais pas vous mentir. Ça sent. J'ai envie de jeter des billets, moi. Bah vas-y, je t'en prie, vas-y. Bordel, ouais. Allez, vas-y. On sent la souplesse au niveau des hanches, on sent le travail. C'est vrai, je travaille ça depuis quelques années, ouais. Ouais, je vois ça. La casquette, ça vous gêne pas, les lunettes, non? C'est pour garder l'anonymat ou pas? Oh, l'anonymat, ouais, avec plaisir. Je mettrai un petit masque, sinon. Vos parents, ils sont au courant? Non, ça, mes parents sont au courant. Ouais, ils sont au courant que vous faites un travail comme écoutez, celui-là? Mon père prodige, j'étais pas très fan. Prodige? Quoi? Mon père c'est prodige. Et t'as pas envoyé au bled. Coupe la musique. Attends. Coupe la musique, il va m'envoyer mon bouton lui. Wesh.
Attends, ton père c'est Prodige ? Oui. Non, non, moi je veux pas de soucis, non, Prodige, je... attends, excuse-moi. Non, mais il... Allô ? Allô ? T'as pas oublié au bled, genre. Oui, Manuel ? Si. Ça va ? Ouais, si, je suis devant, tu es où ? J'arrive, j'arrive, bah viens, je transfère un casting, tu vas péter un câble, j'arrive. Oh, ok, ça marche. Eh, j'ai des clients super importants qui arrivent là, les gars. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on continue cette discussion plus tard. Oh là, oh là. Ah, seigneuresse, comment allez-vous ? Si, ça va et toi ? Ouais, ouais. Tranquille, je... Ouais, j'étais en train de passer un casting, il m'a dit, t'inquiète pas, je te ramène une meuf, c'était pas une meuf, c'était un gars. Voilà. Ah, fais-nous voir ça. Ouais, non, là c'est trop. Là, je... après le rendez-vous, parce que là c'est. Ben, merci en tout cas d'être venu, hein. Merci beaucoup. Pourquoi y'a quelqu'un en garçon ? Puis on se tient au courant, hein. C'est rien, c'est... on l'a embauché pour être danseuse. Raccompagner, Tony. Mathieu, tu m'excuseras, hein, il a pas trouvé de place pour me garer. Il a un peu abîmé ta voiture, un peu. Un peu ? Ah non, tranquille, je vais aller voir. Si tu touches un petit peu ma voiture, c'est trois fois rien, quoi. Hein ? Ouais, non. C'est non. Attends, c'est qui le fils de p*** qui a touché ? C'est trois semaines au béni, c'est moi, héros et p***. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je passerai au béni, de toute façon j'ai l'assurance. C'est pas grave, c'est pas grave. Si, il y a un bon mécano si tu veux. Ah ouais ? Connais un bon mécano ou bien tu as un bon non, mécano ? Non, il y a un bon ah, de mécano. Ah, si d'accord, d'accord. Non, mais c'est pas grave. C'est pas un souci. Seigneur Esmerez et Canez, j'ai entendu dire. Il y a un Dodan, faites gaffe, il y a un Dodan. On a plus de danseuse. On le voit pas. On le voit pas très bien à première vue, mais il y a un Dodan. Eh bah, courage, faites attention à vous. Merci, merci. Tony, tu m'as vraiment manqué, mais vraiment qu'un peu, quoi. Ah, merci. Tony, mets la musique de Caillou pour nous inviter. Ça va, Eduardo ? Si, tranquillo, et vous, seigneur ? Tranquillo, ouais, ça va, ça va. Mais là, les gens, ils commencent à me casser la tête. Il y a plein de gens qui sont venus hier. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Seigneur Canez. Ah, ça y aime bien. Ah, vous sentez la maison ici, hein, vous avez vu ou pas ? C'est bien ouais. Sûr. Ah, là on est bien là. Y'aime beaucoup cette musique. Hier il y a pas mal de gens effectivement qui sont venus. Bah notamment le réfé marin là. Il me parlait de blanchir de l'argent il a à hauteur $1 million. Un million. $1 million. Et il y a d'autres groupes qui sont arrivés avec 600 000, 500 000. Je dis, ah ouais. Venez, on va dans mon bureau si vous voulez. Vous voulez boire quoi ? Un tequila, por favor. Tequila, d'accord. Tony, tequila pour messieurs, s'il vous plaît. C'est déjà prêt. Oh, nickel. Oh, perfecto. Vous voulez profiter de la vue, non ? C'est mieux, non ? Non, non, il aime pas trop les femmes ici. Non, d'accord. Les mexicaines de chez moi. Quoi, comme tu veux, Manuel. Le premier à gauche. Si, je te suis. C'est plutôt cosy ici. Ouais, c'est pas mal. Je t'en supplie. Assieds-toi, Manuel. Tony. Mettito. Tenez, monsieur Guzman. Merci beaucoup. C'est une spécialité. Dis-moi, Tony. Ouais, dites-moi, monsieur Manuel. Je peux pas tester la barre là. Eh, j'avoue. Si, vas-y. Si, essaye. Vas-y, roule putain, vas-y. Ah, vraiment, Tony, insiste. Mais si, ça me ferait super plaisir. Parce que ce fils des p*** il me ramène des meufs et il me dit c'est des meufs alors que c'est même pas des meufs. Alors, vas-y. Mais je suis pas obligé de toute manière, j'ai pas envie. Le client est roi. Il va changer. D'ailleurs, seigneur Canaille a tenu à dire que l'inauguration s'était très bien passée, qu'il y a eu pas mal d'entrées d'argent. Tout à fait. Ah, rentrée d'argent, pas tellement en vérité. Hein. Faut payer les employés. J'ai dépensé 25 000 pour payer les employés cette soirée-là. Mais par contre, j'ai de l'argent pour vous, évidemment. Eh oui. C'est vrai ? Ah bah oui. T'as combien à nous donner ? Hein, Tony ? Hein ? On a de l'argent pour les messieurs Guzman par rapport à la soirée ouais, et tout ça. Ouais. On a par combien environ ? Les 15 millions qu'on leur doit ? Hein ? Les 15 millions, la dette des 15 millions ? Ah oui, c'est vrai. Eh ouais. Ouais. Attendez, bah, on a l'argent, attendez. Tu te fous de ma gueule. Putain, il avait compté 100, quoi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 100, c'est bien, non ? On a fait. Attends, t'es posé $100 par terre en mode de, on devait les ramasser. Un pauvre billet comme ça. T'as cru que c'était des danseuses, clochard ? Ah non, Vas-y, retourne derrière et tu vas danser la serpillière là. Si, vas-y. C'est parce que j'ai un rhume en ce moment. Vas-y, t'en prie. Bon, plus sérieusement, ouais, du coup, les marats ils sont venus chez toi pour te blanchir un million. En fait, hier j'ai croisé les marats. Vas-y, danse, Tony. À côté de danse. Leur quartier, voilà. Ils me disaient que son labo va se faire péter. Etc. Et que dans tous les cas, il s'en foutait parce que il avait déplacé le matériel parce qu'il avait un autre labo dans le nord. Je dis, il est malin et tout. Hein. Après, je vois, il était en panique. Je dis, mais pourquoi t'es en panique? C'était un autre labo. Je dis, ah, tu bluffes. Il me dit, ouais, putain, je suis dans la merde, je vais aller brûler une broc et tout. Je dis, jure, bah vas-y, passe le bonjour à mon tonton Pablito. Il me dit, c'est qui? Je dis, quoi? Tu connais pas Pablito? Le plus grand innocent de Los Santos? Bah là, il va le connaître, hein, c'est sûr. Hein. Ah, parce sûr. Que j'ai entendu que ça canardait et tout, War Dogs. Et après, j'ai vu des photos et tout. Laisse tomber, il s'est fait éclater. Ouais, justement, on va aller les voir après. Enfin, pas que les marins, mais tout le monde. Ouais, c'est bon, tu peux arrêter. Ouais, très bien. Mais on en va gros, moi, je voulais savoir si vous faisiez ça, de détournement de fonds, blanchiment d'argent et tout. Alors, Eduardo. Si. C'est lui qui s'occupe de ça. Si. Par rapport au blanchiment d'argent, oui, on peut te faire un
un petit quelque chose, mais ça dépend de ce que t'as proposé. Ça dépend de la somme, etc. Mais on peut t'arranger, oui. Ah, moi, comme dit, il y a des gens, ils sont venus, ils avaient des 500 000, des 600 000, des 700 000, des 1 million. Je me fais harceler, moi, par rapport à ça. Hein. Après, moi, quand même, hein, j'ai quand même une réputation, hein, je veux pas prendre les 500 000. Hein. C'est-à-dire, je vais leur dire, bon, 200 000, après le reste, ils te démerdent. Hein. Pas non plus prendre tout leur argent, je suis pas une banque. Hein. Ok, d'accord. Et sachant que ça peut être risqué aussi avec la compta des. Bah ouais. Des Bahamas. Bah bien sûr. Fais très attention à ça, d'accord. Non, bon, Mathieu, on va commencer très doucement, d'accord. À mon avis, ça va pas changer avant longtemps. Et il te propose une offre à 50%. En argent, tu récupères d'ici 48 heures. Ok, d'ici 10 jours, quoi. Ok, ok. Ça marche. Ok, donc je te passe une mallette, tu me repasses une autre mallette, quoi. C'est exactement, t'as tout compris. Ok, ça marche. Cette question, monsieur Manuel, moi qui est patron du S7, vous me conseillez de le faire ou pas, ça ou pas? Bah, toi, tu es déjà avec Mathieu, donc à mon avis. En plus, le S7, c'est un peu plus compliqué. Il y a pas d'employé. En plus, oublie pas l'entreprise, elle a mon vrai prénom, mais notre famille, on va pas la mettre dans la merde. Après, moi, j'ai pas d'employé, donc je peux pas détourner vraiment. Et puis, t'as pas beaucoup de rentrées d'argent aussi. C'est très bizarre. C'est au moins 60 000 toutes les semaines. Ah ouais, Moi je me fais bon. Et bah, comment ça se fait que je vois pas l'argent? Comment ça se fait que personne voit l'argent? Il est où l'argent? Quel argent? De quoi? Non. Monsieur, il y a des centaines ici, mais par semaine tu fais des 60 000. Sale héros des bâtards, va. Bon, ça va, j'ai juste eu une prime de 15 000, c'est rien. C'est, quoi? C'est une prime, hein, c'est même pas une paye. Wow. Ah oui, bah j'imagine même pas la paye alors. Hein. Alors là. Non, mais pour de vrai, j'ai fait une facture à 30 000, 3 000. Emmanuel, moi j'ai des questions de type logistique. C'est des mains. C'est pas comme dans les films, hein, ça pèse lourd et tout. Et vous allez transporter ça comment? Soit par bateau, soit on te les ramène par hélicoptère ou par avion, ça dépend de. Quoi? Des moyens. C'est. Bateau carrément? Si. Faudra prévoir les sacs. Ça veut dire ce soir, je peux vous ramener déjà une première mallette? Ouais, si tu veux. Tu peux déjà nous ramener une mallette. Vas-y, ça marche. De gérer ça. Bah, je vais contacter les gens qui sont venus me voir et je leur dirai de passer, comme ça on s'arrangera. Ok, donc ça compte, ça marche. Ça risque d'être compliqué pour les marabuntas si t'avais eux dans tes plans. Ah non, les maras, non, c'est mort. Bah, vu qu'ils ont la DOE sur le cul, je peux prendre le risque de blanchir leur argent. Si, fais attention. Je suis con, mais pas bête quand même. Un peu quand même. Ouais, pas trop. T'as changé ta coupe de cheveux? J'ai rasé. Parce que je suis devenu refé de los refés, c'est pour ça. Oh là là, attendez, j'arrive. Comment ça avec ça? Pour combien ta chaîne? El refé de los refés. T'as de pire. Si, cabron. Oh là là. Si, et ça, c'est la tenue officielle. Attendez, regardez la deuxième tenue. Celle-là, elle s'appelle la tenue pyjama cabron. C'est pour les chiquitas et les chicas. Eh ouais. C'est incroyable. Putain, t'as vraiment une dégaine de fou avec ça. C'est aux couleurs du Maroc, c'est un peu mes origines, c'est pour ça. Vert et rouge. D'accord, ouais. Avec la weed et tout, incroyable. Pyjama cabron. De merde. Et ouais. Ça va, vous aimez bien, c'est validé? Ouais, ça va, c'est cool, ça va. Oh, ouais, ça va. Bah, merci d'être patient. T'as passé avec tequila? T'as passé avec tequila au client? Ouais, j'ai deux. Ah, bon, ça va, là. Fais voir. Bah, attendez, je vais passer en même temps à votre part par rapport à la soirée. T'es. Ta gueule, les roudis putain. Sur les refs et de l'os refs. Bien quoi, Bougna? Bah, depuis qu'on l'a défoncé avec la panthère, là, il a une scoliose. Ah, d'accord. Je vous donne pratiquement tout le bénéfice qu'on a fait. Ah, perfecto, c'est bien. Attends, voilà. On vient. Je te donne ça, tu vas compter. Attends. T'as donné combien? J'ai donné 20 000. Mais c'est pas grave, je préfère. Il va les compter. Je préfère donner ça. On va se manger des points. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Donnez. Non, c'est pas ça. 1000. Tu m'avais pas parlé de course illégale? Oui, 20 000 dollars, perfecto. Ça vous va? Perfecto, seigneur. Il restera que 12 980 000, ça va. Tranquille, on est là. Ce rythme, ça va. Alors, tenez. Alors, par rapport à ça, je vais commencer à bien lancer les trucs comme ça. Vous aussi, ça va vous apporter de l'argent par rapport aux 15 millions qu'on vous doit. C'est très simple. En fait, je vais lancer un système de réputation de coureurs. Et si possible, ces meilleurs coureurs, on fera une grande course chez vous, dans laquelle où ils auront un magnifique prix à remporter, et en fait vous les dépouillez. Mais ça va donner une mauvaise image à Caillou, connard. Non mais attends, tu crois que moi, il me promène en ville, il a envie de dépouiller les gens et d'avoir l'image d'un héros putain? Après, moi, c'est pour, par rapport à la dette qu'on vous doit, hein, parce que c'est les meilleurs coureurs. Ah, donc pour la dette qu'on leur doit, tu veux dépouiller les gens à l'heure ici, quoi. C'est con, ouais, hein. C'est... Mais n'importe quoi, ça va jamais fonctionner, ils vont dire non. Et ben dans ce cas-là... Dans ta soirée des 100 followers, il y aura bien des... Tu me passeras une bonne part, c'est tout. Ouais, au pire, ce que je fais, c'est que je donne la part au pire, à si tu peux pas rembourser ta dette, moi, ce que j'ai fait, c'est que pour rembourser une petite partie de ta dette, je prends en contrôle ton compte Zoop et il m'appartient. Hein? Oh là là, les DM. Oh, les DM. Il va aller voir les DM direct. Oh, les DM de l'enfer. Non, pas besoin. Si, mais t'es sûr, ça peut t'alléger un peu la dette. Non, attends, je supprime. Des Madame Zulman. Oui. Si, ok, d'accord. Les meufs qui lui envoient des DM et tout, je suis sûr que quand tu seras plus patron, tu me parleras plus. Non, et tout. Ce qu'on peut faire par rapport à mon événement que je vais faire sur le yacht,
La moitié qui revient à l'unicorn, je leur donne, et ma moitié, je vous la donne. Ok, ça marche. Dans tous les cas, tu t'arrangeras avec Eduardo. Ouais, c'est... Ouais. Bon, allez, ça marche. Bon, on va vous laisser. Et puis, allez, ça marche. Si vous avez besoin, vous nous appelez. Et puis, ouais, rappelez-moi aussi pour l'argent. Mais oui, justement, ouais. Ça va bientôt. Okay. Allez, nickel. Et vous avez des nouvelles de Pablito? Non, ah, en fait, là, ils sont en train de faire une rénovation du parloir. Du coup, j'ai pas pu le voir ce week-end. Ah, mais oui, attends. Mercredi. Enfin, demain, du coup. Les Russes passent à l'action. Mais non. C'est... Ah, là, ça va être bien, alors. Ils sont au courant? Bien sûr que si. Comment ça, ils sont au courant? T'as des questions trop bêtes. C'est bête ou t'es con? Mais vous les avez mis au courant ou pas? Bah, c'est. Ah, ok. Bah, ils étaient là. Ouais, j'étais con. Pourquoi tu dis ça? Non, mais pour savoir, est-ce qu'ils savent que ça commence demain? Bah, si tu dis que c'est bon, c'est qu'ils sont au courant. J'ai l'impression, Tony, que tu cherches une nouvelle coupe des cheveux, toi. Ouais. Regardez, c'est une perruque. Ah, c'est une perruque. Ouais, pas mal. Ah, ouais. Une perruque. Et oui, parce qu'il y a une personne qui m'a coupé les cheveux sur Caillou. Hein, ah, ouais. Merci. Ça a du mal à repousser. De rien, hein. Manos, plaisir. Je vais vous laisser. Allez, bonne soirée. On vous raccompagne. Bonne soirée. Tranquillou. Ah, gracias. Oh, Nicolas. C'est Nicolas, ça? Ouais. Seigneur. Oh là, Seigneur Nicolas, comment est-ce que ça? Ah, privé tout le monde, comment allez-vous? Ça va, tu vas bien? Oh, ça va, merci. Dis, Nicolas, Tony m'a mis le doute là, mais t'es au courant que c'est demain que vous passez à l'action? C'est demain. C'est demain. Vas-y, d'accord. Je ça marche. T'as vu, allez, bonne soirée. Merci, Seigneur S. Pour la rayon, c'est pas grave. Pourquoi t'es habillé comme ça, toi? J'ai fait une batterie. Bah non, je me suis tiré. Ça va, monsieur Nicolas? Ça va, et toi? Ouais, venez, on va discuter si vous voulez. Seigneur Nicolas, n'oubliez pas ce qui se passe dans une dizaine de minutes. Hein. Non. Allez, Nicolas, ça va. Vous êtes tout seul ou vous êtes avec vos amis? Ils vont arriver là. Vous avez tenu vestimentaire très bizarre, Mathieu. Non, ça va. C'est Refe de los Refes, c'est tranquille. C'est quoi ça, Refe de los Refes? Bah, quand je reçois des gens de Caillou, je m'adapte. Ok. C'est le respect, quoi, c'est pour ça. Ah, bah ils sont là, je vais les accueillir. Dites-moi, Nicolas, est-ce que vous me parlez d'argent blanchir ou pas, vous, de votre côté? Ouais, bah, je vais pas vous mentir, je cherche ça partout en ville. Bon, bah écoutez, vous avez votre homme juste devant vous. Non. Ah, si, c'est moi. Combien de pourcents? Ah, attendez. Je te fais rouler dessus, là. Ah, moi, c'est du direct. Il y a 5 chauves. Pardon. Fais attention, toi. Ouais, monsieur Nicolas, du coup, vous avez combien? Moi, je vais pas vous mentir. Là, ce qu'il nous faudrait, c'est... En grosse coupure, il nous faudrait à peu près 200-250 000. Mais vous avez combien? Ouais, c'est... J'ai, vous inquiétez pas, là. J'en ai... Bah moi, ce que je peux vous faire, je connais quelques avocats fiscalistes qui peuvent m'apprendre quelques magouilles, etc. Je peux vous blanchir à taux de 30%. Parfait. C'est bon pour vous? Moi, je peux vous ramener un jour maintenant. Ça dépend combien. Mais là, comme je vous ai dit, moi, l'idéal, c'est d'avoir 250. Bah ramenez-moi 650 alors. Ok, j'arrive tout de suite. Au niveau de la durée du blanchiment, 48 heures. Sous combien? 48 heures. Dans ce cas, c'est très good. On va te ramener ça. Ouais, y a pas de souci, ouais. Tony, t'as une mallette? Une mallette, tu sais, métallique là. Ouais, j'ai. Est-ce que c'est possible 300? Parce qu'en fait, il y a des gens de chez moi. J'ai envie de leur donner un petit... Ouais, tranquille, ramène-moi l'argent. Oh, c'est bon. Ouais, okay. Ouais, c'est bon. Ah, tu peux pas me la lâcher? Avant, on pouvait en acheter, tu te rappelles? Ah, bah non, mais j'ai pas... Ah, le maletta. Merci, Nicolas. Pas de soucis. Ça marche. Bah, rendez-vous d'ici 48 heures, du coup. Je te contacterai, de toute façon. Ok, pas de soucis. Mais on se verra pas ici, hein, pour la transaction, ouais, ça marche. Clair, c'est clair. En bateau. Tu croyais qu'il allait prendre 70%? Bah ouais, ça va pas encore du fou. Comment on va se faire de l'argent? T'as compris ou pas? Les Guzman, ouais, ils nous obligent ça à 50%. Ça veut dire quoi? Sur les 700 000, on touche 350 et on reverse que 210. Ça veut dire, on gagne combien sur la transaction? 140 000 $. Ok. 140 000 $ d'argent propre. Eh ouais, mon petit gars. On les baisse? Eh ouais, bah non, on a un intermédiaire, on a des contacts, et on a des risques. Eh ouais, on a des entreprises. Attends, mais on fait blanchir à tout le monde ou? Non, que les gens de confiance. Attends, j'appelle Manuel. Ouais, Manuel? C'est, dis-moi, Mathieu. Ouais, j'ai 700 grammes de tomates à te livrer là. Là, actuellement, je vais pas te mentir, je vais être en rendez-vous avec à peu près tout le monde. Ouais, je vais venir d'ailleurs. Pourquoi? Oh, y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Si tu veux écouter un peu ce qui se passe dans le business, etc. Vas-y, c'est où? Va te faire la main. Je t'envoie la position, d'accord? Faut venir masquer? Non, pas besoin, y a tout le monde. D'accord. Ok, ça marche, vas-y. Eh, réunion illégale. Oh non, on va envoyer un drone, on y va pas nous. Hein. Oh, ouais. Ouais, vas-y, viens. Vas-y, je prépare le drone. C'est bon, il est opérationnel. Ah, ils sont là. Ah oui, c'est dans le garage. Il est efficace, le drone, hein. Mais y'a qui? C'est le réfé. Voilà, il est là, regarde. Reprends le garage. Je sais pas pourquoi il est au bar. Hier, il s'est fait rafale sa grand-mère. Non, mais nous, on a rien à faire là-dedans, c'est pour ça, tu vois. Non, je sais, t'as pas comme si. Il y a personne, hein. C'est clair. Mais quand on va sortir des tanks, on Seigneurès, bonsoir. Il vous en prie, mettez une note en face de moi. Ah, vous cher, monsieur Riscos. Il y a Emmanuel qui m'appelle. Ouais, allô? Si, hola, tu vas arrêter en combien de temps? Non, t'inquiète, je vais envoyer un drone. Ok, ça marche. Vas-y. Salut Emmanuel, il m'a dit ok ça marche. C'est pas comme si c'était quelque chose de normal quoi. Non, je suis pas là, rayon, mais t'inquiète, j'envoie un drone. What? Toli. J'ai zoomé sur la tête de Yugen, monsieur Uzi. Ah, j'ai été voir sa dégaine. Il est là. C'est lui qui est posé là. Je l'ai vu. Attends, je ferai le tout.
Putain, j'entends qu'un sur deux, moi. J'entends pas les autres. On va y aller, puis c'est tout bien. Alors, bonsoir, hermanos. Salut, Eduardo, ça va ? Et tranquillo, on attend des invités de dernière minute. Ah, bah, c'est nous, parce que Manuel, il m'a appelé et il m'a dit, je lui dis, ah, j'enverrai un drone, mais au final, vas-y, hein, on va venir, allez-y, on va écouter. Allez-y, je vous en prie, hein. Merci, c'est gentil. On passe à l'intérieur. Ouais, Alejandro, il a la plata. Salut. Salut. Oh, bordel. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? C'est incroyable le costume. Jaime, c'est bon, tu peux le faire rentrer. Ça va, merci. C'est Jaime ? Allez-y, seigneur. Oui, Jaime, en fait. Salut, Jaime. Vous êtes invité, pour y aller. Non, nous, on vient juste pour le billard. En vrai, du vrai. Tout le monde, restez là. Voilà, seigneur Mathieu. Salut, salut, vous inquiétez pas, je viens juste pour le billard, moi. Vas-y, on se fait un billard. Je suis pas content. Et je pense que vous devez savoir un peu pourquoi. Je me trompe peut-être. Non, du tout, hein. Enfin, moi, j'ai une petite idée. C'est, vas-y, exprime-toi. Yo, ça rompiche fort, hein. Je vous avoue, moi, je me fais chier, hein. J'en suis à proposer 5 000 $ au Vagos pour le premier qui attrape l'autre. Pourtant, c'est pas faute de provoquer tout le monde. Les seuls qui ont montré du répondant pour l'instant, c'est les Balas et un peu les Vagos. Mais le reste, je vous avoue, je m'emmerde un peu. C'est. Pourtant, c'est pas faute de faire les grosses couilles, d'avoir plein de terrain, etc. Je pense que vous avez de quoi nous taper. Je sais pas, yo. Moi, je pense que c'est plutôt un problème de confiance en soi, de prétention même. Vous savez, chacun d'entre vous ici, vous avez mérité votre place. Vous avez mérité que le cartel vous fournisse un laboratoire. Malheureusement, il y en a pour qui c'est pas une notion acquise. Le laboratoire, le business de drogue, la tablette de Darknet, tout ça, ça peut s'envoler en une fraction de seconde, messieurs. Je vous regarde chacun d'entre vous ici. Là, il y a le business, il tourne pas. Il y a les rentrées d'argent concernant les armes, la drogue, etc. Ça rentre pas. C'est le but de cette réunion, c'est de vous dire de vous bouger. Moi, quand il y a des retours des familles qui y voient, ils ont 1 milliard de territoires, personne va leur piquer, ça me fait un peu chier, tu vois. Pourquoi ? Parce que les armes ne tombent pas assez, du coup, pas de rachat d'armes derrière, etc. Du coup, moi, j'ai réfléchi à ça pour parler à des solutions. Et les solutions, elles sont simples. Si ça continue dans ce sens, il va devoir accélérer et passer à la vitesse grand V, ce qui implique que vous allez perdre vos territoires, automatiquement. Même ceux qui sont les plus puissants. Ça veut dire que vous allez devoir vous battre et vous rebattre pour récupérer des territoires. Moi, il n'y a aucun problème avec le fait de vous faire mettre au pied du mur. Actuellement, le groupe qui est le plus dans la merde, c'est les Marabunta. Vous savez tout à peu près pourquoi. La DOA fonctionne trop bien, à mon avis, et elle fait tomber des business, mais de manière hallucinante. À un mois et demi, leur laboratoire est tombé. D'après mes informations, il y en a qui sont sur les prochains sur la liste. Donc faites attention. Ok, perdez votre laboratoire, et en plus par la DOA, ça va être encore plus compliqué d'en récupérer à nouveau. Mais hermano, ils disent ma chemise, elle est dégueulasse, c'est vrai. En vrai, de vrai, ça dépend. Peut-être avec une cagoule, ça serait mieux. Cagoule et un Uzi. Quoi ? De quoi vous parlez En fait, je vous explique. La Tintin qui était gouvernement, il y avait un gars parmi eux, il faisait que courir et tirer parmi tout le monde. C'était lui, il avait un Uzi. Il a dit, les gars, j'ai fait un rush jardin, j'ai tiré partout, j'ai touché personne. En fait, ce mec-là, il est éclaté au gunfight et ça me fume. Ah ouais, là, ça le dit, m'énerve pas. Hein. Non, 3 kilos. M'énerve pas, hein. Non, pas je vais bon. Faire des blessés, hein. Je suis pas sûr. J'ai pris 2 balles dans l'épaule, quand même. Je te jure, c'est pas moi. Hé, Jaime, c'est quoi cette réunion, là ? Hein ? Ah, c'est une réunion en mode... En mode... Tenez, hein. Présentation de... Mais oui, il est bon, hein, je crois. Mais non, mais c'est une réunion en mode bizarre. C'est genre, si vous faites pas des bêtises, attention, hein. Quel genre de bêtises vous me parlez, hein. Ah, t'as pas suivi la réunion, je crois, c'est pour ça. Oui, non, c'est une réunion professionnelle. Quelle professionnelle ? C'est une réunion pas du tout professionnelle. Puisque c'est professionnel, regardez. Mais moi, mon ennemi juré, tu me ramènes à une réunion, mais je lui flingue sa grand-mère. Jure, il est là. Moi, par exemple, je suis un familise. On me ramène un balas dans une réunion, je lui fume sa grand-mère. Je vais pas dire oui, je comprends pas pourquoi il veut pas m'attaquer. Okay, il est un peu méchant, ouais. Il est trop gentil. Fumez-vous, les mecs. C'est lui, il peut pas faire ça ici, quoi. Manuel, il a bien allez, fumez-vous, là. Ah, mais... Frère, tu veux mettre ta cagoule ? Tu fais un rush Uzi, tu fais aller-retour. Jure, je fais un rush. Je m'arrête et je repars. Faut la cagoule, faut pas le chapeau, faut la cagoule. Je fais le caméraman et je reste en plein milieu, moi, tu sais. Tu tires pas, juste tu fais un aller-retour. Tu simules. Fais un rush jardin. Un tour du terrain. Attends. En fait les gars, je vais vous montrer, je m'envoyais le rush au monteur, voilà, je suis mort. What? What the fuck? Venez, t'as de merde, y'a les poyos qui vont arriver. Qui a tiré ? C'est qui a tiré ?
Oh non, pas lui. Il a tiré ici. Oh non, c'est non, il veut... Rémi, il veut t'enculer. Non, non, mais... les portes sont fermées. De toute façon, il y a les polices qui vont arriver, c'est sûr et certain. Attends, ils sont fermés les portes. Si, si, elles sont fermées. Je pense qu'ils vont quand même vouloir rentrer, tu vois. Au pire, c'est pas grave, moi je peux leur dire. Ils sont repartis, c'est bon. Si, il va venir t'ouvrir la porte, attends. Vas-y. Perfecto. Ouais, tranquillo. Mais il avait vraiment tiré le fou. Il est où? J'ai malheureusement. Il est où? Il est mort? Ouais, il n'y a plus de rêver là, c'est fini. Wouah, t'es mort. Il a fait un mot. T'es mort, regarde ça. C'est de la question. Ah ouais, je suis stylé. Heureusement que les flics, ils m'ont pas contrôlé. Ils t'ont dit quoi? J'avais 700 000 dollars sur moi. Hein? Ah ouais, les 700 000 de Nicolas. Le pauvre. Rien, ils sont venus comme ça, ils m'ont regardé, ils sont repartis. D'accord, sinon je vous appelle scène. Ça veut dire que vous pouvez tuer. Oh, comment il va te matar, t'es dans la merde, hein. Jure. Va t'attirer, espèce de fou. Les flics, ils sont arrivés, hein. Je te promets, c'est pas moi. Ouais, c'est qui alors? C'est mon frère, hein. Capricorno, il vit à l'arrière, là, je suis allé pour lui donner à manger. Après, je suis sorti par la porte de l'arrière, là, et voilà. Mais c'est pas moi, je te jure, hein. T'es galé, je rentre. Essaye avec une autre arme, t'as pas une autre arme? Une AK. Jure. Une calache. C'est sûr. Oh, bah, peut-être, faut tester, hein. Ouf. Prochaine opération. Vas-y. Mais entre nous et moi j'avais un drone et tout. C'était toi devant le gouvernement? Non, c'était pas moi. C'est pas toi? Ça, c'est un mec qui te ressemblait de fou en tout cas. Non. Bah oui, je pense en vrai, hein, mais c'était pas moi. Tu jures? Attends, j'ai même un numéro ou pas? J'ai des photos. Il y avait un pompier, il avait un P7, l'autre il avait un Uzi. C'était n'importe quoi, ça allait dans tous les sens. C'était incroyable. Oh, bordel. Et après, il y avait des mecs en calache et tout dans le gouvernement. C'est... Vas-y, tu gères, monsieur Uzi. Tu gères. C'est toi le réfé, du coup? C'est ça. Ok, ça marche, t'es à Cuardo. Ah, God bless. Bonne soirée. N'oubliez pas, Pablito, il est innocent. J'aime bien votre dégain, monsieur. Ouais. Merci beaucoup. C'est ça, c'était le message principal. Oh là là. Je vous rappelez un certain Lucky Luke, monsieur. Merci. Ouais, vous êtes plus rapide que l'ombre, même l'ombre de Lucky Luke. Au revoir, monsieur. Lucky Luke? God bless America. Ouais, Lucky Luke. Luc. Ah, le bonheur. Genre, par exemple, je vais te donner un exemple. Tony. Emmanuel, je viens de rencontrer le réfé là. Quel réfé? Il m'a dit, Seigneur Uzi. Il m'a dit, c'est le réfé. C'est pas le réfé. Ah, je sais pas. Il est où? Ah, il est où, Seigneur Uzi? Il était à l'extérieur. Bon, moi, je vous laisse. Bonne soirée. Bonas. Salut. Il est où, Seigneur Uzi? Je vais tout casser là. Bah, il était dehors. Je lui ai parlé, il était dehors. Il m'a dit, ouais, tu demanderas à mes petits hermanos. Dis à Emmanuel, il me dit, il travaille pour moi et tout. Bah, après, c'est mon petit frère, mais c'est pas moi le réfé. Après... Non, il s'est déclaré en tant que réfé. Enfin, c'est ce qu'il a dit. Ah, lui? Oui, c'est lui le réfé. Alors là. Seigneur Uzi, bah il était là. Rémi, espèce d'enculé. Je t'explique, je vais t'expliquer notre famille, d'accord? Là, en gros, le big boss, d'accord, c'est Alejandro Guzman, ok? Oui. Derrière, il a des enfants, ok? Et après, il y a toute une famille. Lui, c'est mon tonton, d'accord? Ancrel, c'est mon tonton. Ah, d'accord. Lui, c'est mon grand frère, d'accord? Toi, t'es le neveu d'Alejandro, donc toi aussi. Si, et après, il y a Rémi, c'est mon petit frère. Et Pablito, il est où? Non, mais Pablito, il fait pas partie des Guzman, t'es petit. Pablito, il a Pablito Carmano. Ah, Pablito, c'est mon oncle. Ouais, t'es c'est ton oncle. Ah oui, c'est mon oncle. Il est innocent. Ah, toujours innocent. Si, il est innocent. D'ailleurs, Manuel, j'ai la mallette, j'ai de l'argent. Si, attends, parce que tout à l'heure, tu m'as dit 700 grammes, tu veux brancher 700 000? C'est l'argent des Russes. Ah, d'accord, ok, vas-y. Je vais te chercher la mallette, je l'ai déposée là-bas. Ouais, si, vas-y. Elle est lourde. Ouais. Jeudi vers 23h. Ouais, donc jeudi, 350 000, c'est ça? Et toi, ça se passe le business en ce moment? Ouais, je suis en train d'écouler tout mon stock de drogas. Ah ouais, tu les écoules à qui? Un mec qui s'appelle Alejandro, comme par hasard. Si. En gros, je lui donne la cam et il garde 25%. Et pour l'instant, ça lui convient. Ok, d'accord. Et tes armes, t'en vends un peu? Non, j'ai pas d'armes, moi. T'as pas d'armes? Comment ça se fait que t'as pas d'armes? En fait, mon oncle, il avait des armes et tout, mais je peux pas trop les prendre. Et après, je sais pas, il y avait une tablette et tout, mais je sais pas trop l'utiliser, un peu, je sais pas, donc... Tu veux que je te montre comment l'utiliser? Ouais, je veux bien, ouais. Ok, ben on peut aller faire un petit tour, là, attends, viens. Vas-y, ça marche. Okay. Vas-y, ramène Tony. Tony! Bon, c'est un peu loin, va falloir remonter au nord, donc... Tout à l'heure, vas-y, en plus, il y avait la Guarda qui est venue et tout, laisse tomber, j'avais l'argent de Nicolas sur moi. Et on est baisse, la Guardia. Ouais, c'est à vous, j'avoue. Ils sont même pas venus, là. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, la Guardia? Ils m'ont dit, ouais, vous faites quoi ici? Je dis ferme ta gueule. Mon oncle, c'est pas Bilto. Ils ont fait demi-tour direct. Mais non. Bah, bien sûr. Ils ont même dit excusez-nous, refé de los refes. Mais ils sont partis. Mais si. Ils sont partis en mettant le warning en marche arrière. Aujourd'hui, je suis parti caresser des chevaux. Enfin, des chevals. Et vous savez que quand vous donnez à manger au cheval, il faut pas donner avec les mains ouvertes comme ça. Il faut donner à manger dans la paume. Sinon, il peut t'arracher un doigt, ce fils de pute. Ah ouais? Ah ouais, c'est dangereux les chevals. Eh, vous avez un gorille, c'est fort un gorille, on est d'accord? Si, c'est très fort. Ça pèse quoi, 400-500 kilos? Si, hein? C'est une bite de 7 cm.
ça veut dire Tony, c'est un putain de gorille, quoi. C'est le clochard. Alors là, elle était pas mal, celle-là. Quoi ? Écoutez, il y a très peu de personnes qui sont rentrées ici, d'accord ? Il y en a même une qui est rentrée, qui était vivante, et elle est jamais ressortie. Je pourrais pas vous dire c'est qui. Allez-y, venez, je vous ouvre. Et voilà ! C'est pour ça, Manuel, si tu fais le malin... Ah bah là, Seigneur Canez, il n'y a plus aucun doute sur son innocence. Voilà, en fait, parce que mon oncle, il était bricoleur, le week-end, il faisait des petites cabanes comme ça. Parce que c'est un peu un survivaliste, et du coup, il me l'a légué. Donc faites pas attention aux armes, hein, c'est parce que c'est un collectionneur. Et pour vous dire, en gros, bon voilà, c'est ici qu'on a buté Kenneth. On l'a buté ici, ouais. On l'a buté là, ouais. On l'a donné à manger au Winnie. D'ailleurs, si vous voulez, c'est super cher, hein, c'est 12$ la canette. Et là, en fait, vous avez un stand de tir. Mais attendez, mais il y a pas de cible. Ça sent bon. Pas de cible. C'est vrai, il y a pas de cible. Bah vas-y. Passe-toi. Ouais, je vais prendre une canette à 12$. Vas-y, Tony, va. Vas-y. Pourquoi t'es moi tout le temps? Moi, tu me poses pas toi. Servez-vous, il y a des Berettas sur la table, il y a un peu tout. Franchement, c'est la vérité, bouge pas. Attendez, d'accord. Les mecs, c'est pas un jouet. Doucement, t'inquiète, je maîtrise. D'accord, mais allez doucement quand même. La vie de ma mère. Wow! Oh putain. Là c'était bien visé là. Heureusement on a installé des airbags sur les murs et amorti le choc. Tony ça va, désolé ça faisait longtemps, il mettait pas des foulées comme ça. Et en fait on a ramené Kenneth ici, on l'a brûlé, on l'a découpé, on l'a donné à manger. Juste là. Juste là. Ça sent encore le... Ah ouais, ça sent encore le gui. Non mais vous avez pas mis le produit. Quel produit? L'acide, pour enlever le sang. Bah non, c'était pas marqué sur le... Bah sur le mode d'emploi, il n'y a pas marqué. Attendez, vous êtes au courant, si les poyos ils viennent ici et retrouvent le sang de Kenneth, ça vous relie à l'affaire directement? Non, mais tranquillo, c'est possible. C'est possible, faut tout nettoyer. Si, mais il y a du sang encore par terre, il y a encore des résidus. Je suis sûr que si j'examine ça, je retrouve des preuves ADN. Vas-y, on va mettre de l'acide alors, vas-y, mais moi je sais pas comment ça fonctionne, moi les cadavres et tout. Et Manuel, j'ai un autre truc que mon oncle il m'a légué, c'est un labo de drogue. Mais je sais pas du tout comment ça fonctionne, moi je suis pas chimiste. C'est où? Je vais te montrer. Bah vas-y. Mais ça c'est à vous, ça vous pouvez enlever ça des 13 millions si vous voulez, le bunker je vous le donne. Le bunker? Ouais, comme ça quand vous venez à Los Santos vous pouvez m'attarder des gens, on peut leur tirer dessus et tout. T'en penses quoi Eduardo? Moi je pense que si on récupère le bunker on peut effacer la dette. Ah ouais? Clairement. Qu'est-ce? Bah je pense qu'il y a des installations. Non, la moitié de la dette. Non, c'était... Je vous le donne avec les tables et les chaises hein. C'est vrai? Bah oui. Ah, bah, alors là, on peut faire toute la dette alors. Toute la dette. Ça veut dire mon événement vous toucherez rien. Si, on va vraiment le casser par contre. C'est quoi ton événement, toi? Soirée sur le yacht, concert, chasse au trésor. Attends, mais c'est des événements dans un seul événement, en fait. C'est ça. Rajoute Fort Boyard, Lotus, bah Motus. Bah c'est ça, mon premier sera... C'est ça, je vais faire. Ah, ça. D'accord, ok. C'est pas trop Manuel, mais ça m'intéresse de récupérer le bunker. Hein. Ah oui, c'est pas mal. Hein. Faudra voir, en vrai, Doroto, comme tu veux. En plus, c'est bien, il y a personne à part les chacos ici, les pumas. Les quoi? Les chacos, un chacal des chacos. Ah d'accord. Ah oh, j'ai une grande pièce. Le challenge c'était en 2012. Là on est bien là. Ah ça fait un bon trailer là. Parce que moi j'ai pas de chimiste et tout, et puis je sais pas si je commence à vendre un petit peu de drogue, ça se trouve les autres ils vont me baiser la gueule et tout. Non mais te pars pas comme ça déjà, tu pars des fétiches je trouve. Non mais parce que moi j'y connais rien, c'est pour ça. Mais déjà de 1 t'as pas besoin d'être un chimiste pour savoir faire... C'est quoi, c'est de la cocaïne? Bah ouais je crois, hein. C'est de la cocaïne d'après les installations. Hein. Ok d'accord, t'as pas besoin de grand chose, t'inquiète pas, et puis tu pourras bien répondre comment on pourrait l'appeler. Je vais l'appeler la Khanezita. Voilà, la khla, comme vous dites. La Khefa. La Pablita. La Pablita, peut-être la Pablita. Il est parce que c'est le plus vendeur que la Khanezita. Ouais, c'est vrai. Hein. Puis tu sais, c'est pas parce que il y en a d'autres qui viendront te marcher dessus sur le business que doit être un défaut, tu sais. Ouais, j'avoue. Moi, il pense que tu as les épaules pour rouler sur tout le monde. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. En plus, je commençais à travailler un petit peu les épaules et tout en ce moment à la salle. C'est vrai? Non, c'est pas vrai, non, j'ai pas trop le temps. Mais j'ai compris l'expression, genre t'as les épaules, ça veut dire genre t'as les cojones, quoi. Si. Ah, c'est bon, on est d'accord. On est bientôt arrivé. Et tu peux descendre, Armano. C'est en fait, quand je suis venu voir mon tonton au parloir, il m'a donné la clé et il y avait l'adresse, il m'a dit va voir ce que c'est et tout, c'est une surprise. Je suis dit, ah ouais, lourd. Je sais quoi, ça c'est une cabane ou quoi? Ah ouais, c'est bien caché, hein. Eh bah putain. On dirait pas, hein. Ah oui, d'accord, quand même. Ouais, mais j'ai rien touché. Je dirais même c'est un cadeau de quelqu'un d'innocence, hein. Ah oui, non, mais clairement, de toute façon, c'est pas vraiment à lui, mais c'est un mec qui connaissait un autre mec, quoi. Ronan, viens avec moi 2 secondes. C'est chier. Incroyable. Innocent. Bah moi quand j'ai ramené Johnny, il m'a dit c'est de la farine pour faire genre du pain ou je sais pas quoi. Des gâteaux, c'est de la coke. Bah non, c'est pas de la coke. Soit disant, il y a des feuilles de coca et il y a du kérosène, c'est de la coke. Bah c'est quand même les recettes de la coke quand même. Oui, mais c'est pas de la coke, c'est juste pour faire de la coke, mais ils en font pas, juste ils disent ah, j'aimerais bien en faire, tu vois. Comme un innocent quoi. C'est bizarre parce que c'est les mêmes ingrédients qu'on a ramené à Walker. Ta gueule un peu. Tu me racontes, t'es sérieux, tu veux mourir ou quoi? Bah oui, mais bon matériel. Imagine, t'as entendu que le chat. C'est bon, à partir de maintenant, t'es plus mon hijo de puta. C'est quoi du coup? Hijo de cabron? Hijo de grosse puta. Là t'es monté en grade là. Ah ouais.
Genre, je fais de la merde et je monte en grade. Eh ouais. Eh, t'es vraiment un pote, hein. Attends, mais ils font quoi là-bas? Tu connais ça par cœur, ça? Regarde, oh la plata, regarde la plata. Ah non, c'est pas de la plata. Ah, c'est ça son sigle. T'as vu, c'était une sorte de F. On le vient voir, Mathieu. Ouais. Et où, Mathieu? Bon, il y avait des restes ici dans le laboratoire. T'as de quoi faire une petite tournée là. Ouais, ouais, il y a plein de farine et tout là. Alors, c'est pas de la farine. Oula. Attention, te mets pas ça dans le nez, d'accord? Bon, il t'explique. En gros, pour faire ta cocaïne, tu vas avoir besoin de trois ingrédients, d'accord? Les feuilles de coca, le kérosène et la chaux. Tu sais où récupérer ça ou pas? Non. Oui. Bah non, Tony. Bah non. Bah si. On connaît pas. Vous savez pas. Bah, tu sais pas. Bah moi oui, je sais. Mais comment ça se fait que tu sais, toi? Bah, on a ramené les infos. Enfin, je veux dire, on cherchait des infos. T'as ramené les infos à qui? À nous, à Mathieu. Mathieu m'a demandé de ramener les infos. Mais non, non. Mathieu, il vient te dire qu'il savait pas. Non, moi, j'ai pas du tout. Oh là là, ça, c'est encore le mensonge d'histoire. Très bizarre, Tony. Non, je confonds Johnny et Mathieu, c'est pour ça. C'est Johnny. Ah, c'est Johnny, d'accord. Ouais, voilà. Non, c'est faux. C'est faux. Parce que Dieu. Non, c'est dis-leur à qui t'as ramené les infos. Vas-y, on joue carte sur table. Vas-y. Les infos, okay. Un flic. On joue carte sur table. Quoi? Il a donné les infos à un flic. Eh bah, attends. Tu veux jouer carte sur table, sale chien? Oui. On est en train de faire un dossier sur qui avec monsieur le proc? Vas-y, dis-le. Vas-y. Un dossier avec le procureur. Ah, quoi? Voilà. Oui, c'est, voilà. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mathieu, qu'est-ce que tu nous fais là? Oui, non, c'est. Bon. C'est quoi ce délire là? Bon, écoutez, les Hermanos. Ramenez-moi votre effet, je veux lui parler, Seigneur Ouzi. Bah, c'est votre effet, c'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure. Oh, c'est bon. Non, c'est bon. Oh, ça fait pchit. Non, arrête. Écoute, en fait, c'est. Attends, j'enlève mon masque parce que là, je vais étouffer. Quand tu ouvres ta gueule, tu vois. Oui, mais je préfère jouer carte sur table parce que c'est des mecs dangereux. Écoutez, voilà, en fait, on a pas travaillé avec un Poyos. En fait, j'ai un flic qui me tient par les couilles par rapport à Pablito. Mon oncle. D'accord. En fait, il veut absolument que je lui ramène des informations sur ce qui se passe en ville, contre la libération justement de mon oncle. Il m'a promis d'engager les meilleurs avocats, de faire disparaître son dossier et comme ça il pourra sortir sans passer par la manière forte. Alors ce qu'on a fait, avant de vous connaître, ça c'était avant de vous connaître, avec Tony, on lui a ramené des petites informations. Par exemple, où est-ce qu'on peut trouver des graines de weed et où est-ce qu'on peut trouver les ingrédients de la coca. Mais c'est tout ce qu'on lui a ramené, je vous assure. Putain de merde. Mais c'est tout c'est quoi ce nom à ce flic? On n'est pas des balances, mais il s'appelle Sullivan Walker. Ah, mais il nous a parlé de ça, Hermano, une fois, tu te rappelles pas? Attends, les gars, les Hermanos, c'est même pas tout, hein. Ce fils de pute, il me tient tellement par les couilles qu'une fois, il m'a fait toucher un Beretta sans que j'ai les gants et il m'a dit ouais, Mano, t'es de la merde parce que cette arme, elle a servi à un crime. Alors, si tu veux pas exactement ce que je vais te dire, tu vas tomber pour homicide et tu vas le rejoindre ton oncle et tu vas croupir jusqu'à la fin de ta vie. Et après, il a rigolé comme dans un méchant dans un dessin animé. Ouais. Il y avait de l'écho et tout. Il nous a laissé à côté de la base militaire, on est rentré comme des chiens tout seuls à pied. Et il est parti jusqu'au suicide. Et du coup, si mettons, il disparaissait, ce flic, ça résoudrait vos problèmes. Ah oui, et nos problèmes. Ah oui, faut le buter. Claro, qu'est-ce que c'est? Manuel, tu veux pas le buter pour nous? Attends, Dar, écoute, t'es en train de me dire que vous êtes des balances? Non, vous... Non. On n'est pas des. Non, mais attends. C'est pas le terme exact. Il vous tient par les couilles, ce héros. On a été piégé par un flic. On n'est pas des balances. Et vous avez pas été. Vous avez pas eu la réflexion de venir nous le dire avant qu'on vous ramène un caillou, etc. Mais parce que. Tu me dis qu'ils sont pas de la dehors avec la DOA, sachant qu'ils ont fait. Non, mais pas parce que. D'ailleurs, c'est vous qui lui avez donné les infos, Mara? Ah non. Oh merde! Non, attends! Oh la vache! Oh putain! Non, attends! Allez, dans le congélateur! Ah là, c'est bon, il est au frais là! Vous êtes allé voir le procureur? Oui, on est parti voir le procureur parce que. Non, c'est lui qui nous a convoqué d'abord! Ouais, il nous a convoqué parce qu'en fait. Mais on n'est pas les seuls, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de lui! Et donc, du coup, nous, on a voulu appuyer la plainte avec des preuves, mais on n'a pas beaucoup de preuves en vérité quoi! Ça va être notre parole contre celle juste du. Juste des enregistrements! Alors, le mec, la meilleure chose, c'est qu'on le fasse disparaître nous! Pourquoi faire des preuves et de la paperasserie américaine? Bah, parce qu'en fait, le problème, c'est que. Non, mais au-delà de ça. Vous allez avoir la DOA sur les couilles si ça remonte jusqu'à vous. Non, mais. Pourquoi nous, Eduardo? Ils ont fait une connerie, on est d'accord? C'est vous qui allez vous en occuper. Ouais, mais d'accord, non, vous êtes l'ami de Pablito. Je veux rien savoir. C'est une excellente idée. Dans un premier temps, vous allez couper tout contact avec lui, d'accord? D'accord. Et je veux rien entendre. S'il remonte jusqu'à moi à cause de vous, Pablito, je vous mets une balle dans la cabeça, d'accord? Non, mais s'il nous appelle. S'il t'appelle, eh ben. J'en sais rien, tu coupes d'abord les points avec lui. Ensuite, tu vas faire en sorte que ce héros et puta plus jamais qu'il vienne vous demander des informations, d'accord? Mais il est armé, il a un fusil à pompe, il s'appelle Suzanne. Moi aussi, je vais vous armer. Ah ouais? D'accord, ah ouais? C'est une excuse de merde, ça. D'accord. Vas-y, les armes que ton tonton il t'a donné, tu vas les utiliser, tu vas lui faire la guerre. Non, ça je peux pas parce que j'ai fait une promesse à mon tonton. Ouais, je peux pas y toucher. Mais dans ce cas, on verra pour vous fournir des armes. Vous êtes des balances, j'allais vous apprendre à faire de la cocaïne. Mais non, on n'est pas des balances. Eh, tu demandes à qui tu veux, on a balancé qui? On a balancé rien du tout. On a balancé des fausses informations à Sullivan parce qu'il me tenait par les couilles et je voulais sauver mon tonton, c'est tout. On a balancé 5 personnes. Si j'avais eu le choix, jamais de la vie je l'aurais parlé à ce fils de pute. Mais c'est Johnny, ce connard qui me l'a présenté. Mais non, vous êtes dans une merde pas possible parce qu'il peut vous faire chanter aussi. Bah, c'est ce qu'il fait. Moi,
avec mon dossier de Chicago et lui avec les empreintes. Vous vous démerdez, vous aurez pas notre aide, d'accord? Ouais, c'est rien. Dis-toi Mathieu, comment aurait réagi les jefes de los jefes? Comment est-ce qu'il aurait réagi le jefe de... putain, hijo de cabron de merde. Ça recommence. Putain. Je pense que le jefe de los jefes, à mon avis... Ouais, je pense qu'il aurait fait du sale, là. Il aurait pris, ouais, il aurait pris celui comme ça, il l'aurait blindé de balles, blindé de balles, blindé de balles, fils des putes, va. Moi, tu veux me faire chanter? Je suis quoi, moi? Je suis la cucaracha, fils des putes? Hein? Je me niquais l'oreille. Bon. Non, mais attendez, les hermanos, s'il vous plaît, on est d'accord que ça n'a pas dégradé notre relation de confiance, quand même. Si, bien sûr que si. Mais on a joué carte sur table avec vous. Parce que, à partir de maintenant, tu vas devoir te débarrasser de lui. Quoi? De la manière dont tu veux, il m'emballe cojones. Si tu veux le tuer, tu le tues. Si tu veux lui mettre un coup de pression, tu lui mets un coup de pression. Mais tu te débarrasses de lui. Non, non, s'il attends, est encore sur vos côtes. Attends, non, Manu, je te coupe, Manu. Le problème, c'est que lui, c'est le jefe de la DOA. Ça veut dire que si on le bute, à tous les coups, je vais le rejoindre mon oncle et lui, comme moi, on va mourir en prison. Mais moi, j'ai plus peur de la police que vous. Il y a d'autres solutions. Tu te masques, incognito, tu lui mets un coup de pression, comme il se doit. Et je lui dis, ouais. Tu es dans une voiture, tu t'assumes pas. J'ai une idée. Viens, on le pète, on est masqué, on lui dit, écoute-moi bien, fils de pute, si tu reparles encore une fois à Mathieu et à Tony, eh ben on va te buter. Voilà, exactement. On peut leur fournir une grosse arme pour impressionner ce... J'ai fait des progrès de fou. Bah ouais. La jambe en arrière, t'as encore oublié. C'est le recul, vous êtes pas habitué, seigneur. Mathieu, j'ai un truc pour toi. Viens, Mathieu, j'ai un truc pour toi et ton copain. C'est quoi? Vous allez utiliser ces armes, vous allez me le soulever, vous allez mettre un vrai coup de pression. Une fois que c'est fini, vous allez venir me les rendre, d'accord? Ouais, vas-y, ça marche. Okay. Ah oui, d'accord, ok, c'est assez conséquent quand même. Oh, la couleur, elle est énervée. Mais attends, mais moi, j'ai jamais mis de coup de pression. On fait comment? Ça se passe comment, les coups de pression? Bon, allez, je vais jouer la victime, d'accord? Vas-y, on fait un test. Moi, c'est Sullivan, la vie de ma mère. Ouais, Silly, viens, on va discuter un petit peu. Si, d'accord, je viens avec toi. Attends, on va pas discuter avec une arme en main, t'es con, quoi. Non, mais c'est pour ça que je l'ai rangé. Attends, refais tes lacets. C'est... Ça va, Silly? Oui, ça va, et vous? Oui, du coup, en fait, vu qu'on avait un rendez-vous aujourd'hui, on voulait se parler un petit peu et tout. Attends, vas-y, parle-lui, Tony, j'arrive. On a des infos de malade. C'est quoi tes infos? Hop, les deux, la fils des p***, là, vous levez les mains. Vous levez les mains. T'appelles comment, toi? Je me fais braquer. T'appelles comment? Tu t'appelles pas, ferme ta gueule. Tu t'appelles comment, toi? Moi, je m'appelle Sullivan. Ah, voilà, Sully. Écoute-moi bien, fils des p***. Tu travailles à la DOA, on est d'accord? Avec ton gros badge, là. Écoute-moi bien. Si tu continues à faire chier Tony... Bon, Tony, il est mort. Si tu continues à faire chier Mathieu et tous ses potes, eh ben, je te mitraille. Ça marche ou pas? Ça marche? Tu réponds pas assez vite, putain de merde. Alors, c'était bien ou pas? Alors... Vraiment, 10 sur 10 pour l'énergie, mais... Ouais. Le début, c'était incroyable, mais... Ah ouais, t'as vu? Mais t'es pas obligé de tirer. Ah, faut pas tirer. Non, bah en fait, après, sur merde, on s'en fiche, mais l'autre... Oui, le but c'est juste qu'il ait peur, en fait. C'est ça, ok, faut juste qu'il ait peur, ok. Le but, c'est que tu lui montres que t'es pas un rigolo. Plus d'énergie, comme au début. Ah ouais, ferme ta gueule, toi, sale clochard des merdes, va. Après, c'est parce que tu t'appelles Manuel que... Ferme ta gueule, ok? Non. C'est bien comme ça? C'est super bien, c'est tellement bien que je vais te caler une balle. Non, c'était un exercice. Non, je préfère. C'était un exercice. Bon, voilà. Ça marche, c'est bien comme ça. On va vous apprendre à faire de la coca. Ah ouais. En gros, d'abord, tu mets la feuille de coca, d'accord? Tu mélanges, tu malaxes un peu, d'accord? Mais là, j'ai mis le temps que ça se finisse. Non, j'ai mis le kérosène, là. Si, il faut que le kérosène y repose. Ah, si. D'accord, ok. Pendant quelques secondes. D'accord. Et une fois que c'est bien homogène, là, à ce moment-là, tu mets les feuilles de coca. C'est bon, je mets les feuilles de coca. Là. Parfait, là, vous mélangez. Là, j'étouille. Après, je fais quoi? Ensuite, tu mets la chaux. Allez, c'est parti. Tu vas devoir attendre une petite heure. Waouh! Le temps que ça se repose bien, que ça se mélange bien pour qu'elle soit bien pure. C'est une sacrée pizza, hein? Si, voilà. Ah, je plastifie, quoi. Il faudra bien te fournir un pochon vide. Si, il faut des sachets vides et il faut. Pochon vide, ah, d'accord, ok. Sachet vide plus récipient égale cocaïne. Vas-y. Mais Emmanuel, moi j'ai une question. Et genre, celui, le message que je lui fais, c'est juste ferme ta gueule et laisse-moi tranquille. Mais il va jamais me laisser tranquille. Dans un premier temps, s'il te laisse pas tranquille, après, bon, faudra passer à la vitesse grand V. C'est quoi la vitesse grand V? C'est-à-dire, la première fois, tu le braques, tu le tabasses, d'accord? Ouais. La deuxième fois, s'il comprend toujours pas, tu poses dans une voiture. Ouais. Mais parce que lui, il est pas tout seul, il a son équipe de DO qui peuvent me tomber dessus à tout moment. Ouais, si on se mange une descente. En plus, nous, on est patron et tout. Eh, on a qu'à demander à des mecs de le faire pour nous. Si, tu peux engager des gens. Je peux t'engager, Emmanuel? Non. Ok, pour moi, c'est clair. Moi, il fait pas ce genre de truc. Ah ouais, ok. Tu peux contacter d'autres personnes. Ouais, bah je veux contacter... Par exemple, les... Seigneur Ouzi. Qui?
Seigneur Ouzi. Ce problème avec Seigneur Ouzi, c'est que notre réussite, il va être assez faible. En fait, le problème, c'est que si on lui demande... Au moins, c'est sûr, au moins sûr, il va pas le matard, au moins. Il va tuer sur les citoyens à côté, en fait, c'est le problème. Lui. Au pire, on... je sais pas. On a qu'à demander au Nil et il le menace de le bouffer. Il lui mange un orteil. Toi, t'as des bails bizarres, toi, je te jure. Hein. Bah, merci en tout cas pour les pochons. Et du coup, là, c'est de la bonne. Attendez, je vais essayer. Bah, attends, mais déjà, il me dit c'est de la bonne, il roule ça dans un joint, il est fou. Bah, quoi, j'ai mis ça avec du tabac. Mais faut jamais fumer de la cocaïne, t'es malade. Putain, mais il est malade. Mais il est fou, allié, lui. Ouais, voilà, et bah voilà. Voilà. Faites attention aux armes que je vous ai données aussi. Non, mais on va pas les utiliser. Hein. Donne-moi ton arme d'ailleurs, Tony. On va déposer ça ici. Ok. Bah, merci en tout cas, Emmanuel, pour les armes. On te doit combien? Pour le moment, là, tu vas utiliser ces armes en location. Du coup, je vais te demander 20 000 dollars par arme. Combien? 20 000 dollars par arme. C'est ma paye que je viens d'avoir. Ouah, je suis enrhumé là avec la cocaïne, ça. Oh, putain, comment c'est à courir? Hein? Non, oh merde, j'ai même pas vu. Non, j'ai même pas vu, désolé. Oh mon gars, toi t'es mort. Alors par contre, toi, lève les bras. Quoi? C'est 20 000 dollars de location, d'accord? 20 000? Ah, c'est la caution. Si. Si je les perds. Bah merci. Bien mignonne. Merci Emmanuel en tout cas. Avec plaisir. T'as vu, c'est bien ici, hein? Mignon, ouais, c'est vrai. Bon, c'est un peu à la vie de tous, mais. Toi, t'as la phobie de tout, de la merde, des diplômes. Armano. Il manque un dernier truc. Tes diplômes. Et après, on vous abandonne. T'as la phobie des diplômes, c'est le clochard, toi, Tony? Bah ouais. Ah oui, Emmanuel, oui, par rapport à la tablette, je sais pas quoi là. C'est en gros la tablette, je t'explique. C'est nous, là, j'ai accordé des récompenses à ceux qui font, tu vois, un peu les boss. Okay. Ouais, si j'ai capté, c'est claro. Du coup, dedans, on refloue des stocks, tu vois. C'est un peu comme une commande en ligne. Ensuite, tu commandes ton petit truc, etc. Et ça te fait une petite livraison, d'accord. Du coup, faut aller à l'antenne Rebelle Radio et tu utilises ta tablette, quoi. La tablette sur toi, Mathieu? Bah non, j'en ai pas là. T'es prêt, tu vas entendre bip bip. Ça veut dire que tu peux activer le réseau. Ah ouais? Sérieux? Waouh! Tiens, Tony. J'ai jamais utilisé. Waouh! Y'a quoi dedans chez toi? Attends, il aime pas regarder tes stocks. Plein de trucs pas disponibles. Hein. Je peux commander un labo de weed, un labo de meth ou de labo de coke? Moi non. Alors, fais attention, tu peux pas commander les trois. Je peux commander des Ritard, des Colt, des Ils sont disponibles. Mais pourquoi moi j'ai rien moi? Ouais, pour moi c'est disponible. Mais après, parce que t'es pas dans le. Après, Pablito il m'avait dit non, mais nous ici, on traite directement avec le cartel et tout. C'est quoi? Mais traiter directement avec nous. Ouais. Anabolisant, c'est quoi? J'avoue, c'est pas l'extasie. Pas besoin de passer par tablette alors? Si. C'était juste pour te montrer au cas où. Ouais, y'a Tech9, y'a Scorpion, y'a Mossberg, Colt Anaconda, AKU. Ok, ça marche. Voilà. Bah viens, je te rends la tablette. Ouais, tu peux la garder si tu veux. Bon, au pire, je verrai directement avec vous. Hein. Moi, je suis pas très électronique en vérité, je sais pas. J'ai peur de faire une bêtise et. Bah, allez, perfecto. Bah, merci en tout cas. Merci Manu. Personne vous a dit de remonter dans la coachée? Ah. Ouais, c'est vrai. C'est qu'on va s'abandonner, d'accord? Hein? Non. Quoi? Si, parce que j'ai appris des choses qui sont pas. Non! Qui me plaisent pas beaucoup. De quoi? Non, mais c'est pas vrai! Mais non, Push, ta gueule! C'est bon, plus besoin de le porter, Armand. Ouais, j'avoue. Bah, vas-y, Emmanuel, hein, on se capte. À la prochaine, d'accord? Ouais, la prochaine. Et t'achètes bien vous occuper de ce poyos de merde. Ouais, t'inquiète pas. La prochaine fois, on prendra l'avion, hein, Air Caillou. Si. Allez, installe-toi. Salut, Emmanuel! Si. Pour l'argent, là? Si. Dans 48 heures, hein? Manuel, il nous a fait comme Sully. Attends, je vais l'appeler. Il nous a abandonné comme Sully. Eh, hey, Manuel, ça va? Je t'appelle dans le corps. Eh, hey, tu nous as abandonné comme Sully. C'est bizarre. Hein. C'est grave bizarre, je te jure. En plus, tout à l'heure, t'avais la même voix. C'est trop bizarre. Bref, vas-y, je vais appeler Sully, voir ce qu'il en pense, tout ça. Et je vais lui mettre un coup de pression, ce fils des putes. Mais comment ça? Qu'est-ce que ça va, Mathieu? Vas-y, Sully. Salut. Il était mort de rire. Qu'est-ce qu'il en pense, Sully? Oui, allô, Sully, je voulais savoir une petite chose avec toi. Si on te soulève maintenant pour savoir ce que t'en penses. C'est bizarre, toi. Alejandro? Tiens, je pensais que tu dormais, moi. Non, laisse tomber, j'ai eu des galères. Je serai au Bahamas d'ici 5-10 minutes, c'est bon? Bahamas d'ici 5-10 minutes, vas-y, je fais vite fait ce que je fais et j'arrive. Vas-y, tu me ramèneras la plata en même temps. Allez, parfait. Vas-y, à tout à l'heure. Allô, Sully? Tu m'appelles mon. Oui, allô, ça va? Oui, ça va. Attends, je te rappelle, je suis avec un monsieur du BCSO, j'arrive. D'accord, ça marche. Monsieur. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va et vous? M'expliquer? Par rapport à quoi? Moi j'étais au téléphone, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Le propriétaire de la voiture qui est dans le Suburban qui vient d'appeler la police en disant qu'il y avait deux personnes qui essayaient de voler sa voiture. Mais. Oh, sous prétexte parce que je suis arabe et lui il est noir? Tout de suite, vous avez vu? C'est ça? Bon, allez, c'est bon, arrêtez-moi. Allez, mettez-moi au gnouf. On veut porter. Mettez-moi au gnouf. Il m'a dit qu'il y avait des personnes qui utilisent des outils là sur sa voiture. Bah, moi j'étais au téléphone, monsieur, vous avez bien vu? Je viens de raccrocher devant vous. J'appelle mon avocat. Bon, ce qui va se passer, monsieur, c'est que je vais vous laisser vous mettre contre le véhicule tous les deux. Je vais procéder à une palpation de sécurité. Oh, heureusement qu'on a déposé ce qu'on devait déposer. Ouf, oulala. Hein? un bilan? Dépôt de bilan? Dépôt de bilan? Allez, mettez-vous. Je vous en supplie, monsieur, je vous en supplie. De quoi? Bah, rien, je vous en supplie. Et pas dans ton loop. Hein. Ah non, voilà. Non, ah bah non, on n'est pas comme ça, nous. De toute façon,
J'ai rien sur moi, je veux dire, après... j'ai pas... Vous auriez pu me dire que vous aviez des ciseaux sur vous, je viens de vous couper. Ah bah désolé, je vous ai pas dit de vous les foutre dans les doigts. Excusez-moi, ça, c'est l'arme. Je suis bien lourde, j'ai pas le temps de regarder, et vous aussi je regarde. En tout cas, nous on adore le BCSO, hein. Mieux que les Speedy, hein. Le Speedy, franchement, c'est dégueu, hein. Ah oui, c'est vrai, ça. Ouais, le BCSO, il y a... Vous passerez le bonjour quoi, à... ces boîtes-là, monsieur, que vous avez sur vous, hein. Les boîtes, T'as des boîtes. Ah, ouais, les boîtes. Mes... J'ai le permis de chasse, regardez, je vous le présente. En fait, c'est mes munitions de... D'accord. De fusil de chasse. D'accord. Messieurs, ce qui va se passer, c'est que... Non, pas la prison. Je vais vous amener au poste. Non, non, je vais vous amener au poste, on va faire des vérifications quand même. Ok, ça marche. Bon, bah, c'est parti, alors. Non, attendez, sortez, faut que je vous passe les menottes, messieurs, pour entrer dans... Mais non, c'est pas nécessaire. Si, c'est la procédure. Mais il y a une... Bon, bah, d'accord. Ah, j'aimerais bien, mais... Allez-y doucement, s'il vous plaît. Ah, ça va. Bien sûr, je vais tout doucement. Eh, ça va, il a fait doucement, pas comme les autres, hein. Je suis pas comme ça, moi, voyons. Vous appelez comment, messieurs? Moi, c'est Paco. Ah ouais? Et vous en prie? Moi, c'est... Bah parce que vous êtes mexicain, non? Je suis espagnol, mais les quotas, les quotas. Moi aussi. Ah oui? Oui. Vous venez d'où? Du Maroc. C'est à côté de l'Espagne? Ah oui, d'accord. Bah, c'est à côté de l'Espagne? Oui, c'est à côté. Ça compte, hein? Call 190 21 110 char. Ah non, moi c'est Mathieu. Vous avez pas eu de chance, les gars, j'étais au Harmony. Je suis arrivé en 2 secondes. Ah ouais? Quoi, on a rien fait. Oh non, on a rien fait, en vérité. Ouais. On était posé là au calme, on discutait, mais après il pleuvait. On était au téléphone, vous nous avez vu, on était au téléphone. Tu parlais en plus à un lieutenant. Ah bon? Ouais. Nous on a le bras long, c'est pour ça. Ah oui? Oui, tout à fait. Le bras long. Ah ouais? Monsieur, on va voir quoi là? On va faire des vérifications post. On va aller au HAPS. Fouille sur vous. Allez, on va aller au HAPS, c'est bon. Je suis sûr, 100% on va au HAPS. Vous êtes vierge, mais ça me concernait pas, monsieur. Non, j'en étais sûr que t'étais un puceau. Bah oui, je te l'ai avoué quand t'as voulu te suicider, t'es con quoi. Ah oui, c'est vrai. Mais sûr, on va pas avoir un casier quand même. Messieurs? Ah, vous m'entendez? Oui. Ah, c'est la pollution du sud qui revient jusqu'ici, là, j'ai eu mal à la tête. Ouais, d'accord. Ah là, ça m'avait manqué ce poste. Ah oui. Quand t'avais fait la bonne idée. Mais dites-moi, c'est pas vous qui avez gagné la belle voiture là au casino? Tout à fait. La Nero, ouais. La X-Proto, la Nero. Tout à fait. Il en a gagné deux, et normalement demain la troisième. C'est des bâtards. Allez, ouais. Contre le mur. Allez, je vous laisse faire un tour, vous nous laissez partir. Quoi? Non, je veux pas. Allez, deux tours. Non, mais. Ah, vous êtes coriace, hein. La mère de Mathieu. Quoi? La mère de Tony. Une sacrée chienne. La mère de Mathieu, la héros des putains. Mais enfin, bon, je vous démenade pendant le tour loop, sinon. Ah, vous avez les mêmes gants que Monsieur Walker? Ah oui. Vous arrêtez sur le toit, ouais. Moi, ça fait 2 mois que je les ai pas changés, ceux-là. Aïe, les règles d'hygiène, rien à péter. Quoi. Il passe de cul en cul. Ah, ça vous regarde. Machin là, des outils là, et marque je sais pas quoi. Non, mais je suis bricoleur. Ah, vous êtes bricoleur? Ouais, je suis bricoleur. Bah, en fait, je suis patron du Bahama, c'est en ce moment, bah, à cause de l'incendie qu'il y a eu à 3 semaines, j'ai oublié de faire des c'est pas du racolage, comment on appelle ça? Des rafistolages. Ah, d'accord. Et c'est quoi cette boîte là de médicaments? C'est les somnifères en fait, c'est parce que j'ai du mal à dormir, donc j'en prends. Ah d'accord. Le médecin m'en a prescrit. Ouais, une sacrée boîte là quand même. Bah ouais, c'est pour 6 mois. D'accord. Bah ouais. Et cette boîte là, fusée éclairante, pourquoi vous avez fait ça? Ça c'est pour les fêtes. Dans le Bahamas, des fois, il y a des clients qui sont un petit peu exigeants, ils aiment bien la lumière, etc. Quoi. Vous êtes jamais venu? Ah non, bah j'ai jamais venu. Ah bah vous ratez quelque chose, hein. Vous avez travers, bah, faut m'inviter, messieurs, faut m'inviter. Mais bah, c'est quand vous voulez. Ah. Mais tenu quoi qu'exiger, okay. Si vous êtes habillé comme un clochard comme maintenant, c'est mort, vous rentrez pas. Oh mais alors vous quoi? Vous avez vu le cocktail ou pas sur moi, le cocktail? Refouillez bien. J'ai pas regardé sous le chapeau, c'est ça? Oui, c'est quoi ces bouteilles? Ouais. Bah je travaille dans un bar, c'est normal que j'ai des cocktails. Ah oui, mais là... Eh ouais. C'est des cocktails un peu spéciaux là, monsieur. Non, on appelle ça des pina coladas. Ah, c'est des cocktails en fait qu'on a été avec des feux d'artifice, comme ça. C'est des bouteilles hyper chères, ça. La pina colada, c'est pas le truc à l'alcool avec de l'ananas, c'est des trucs comme ça. C'est ça, ouais. Et on rajoute un petit peu. Celles-là, elles sont. Ouais, mais elles sont périmées, celles-là. Elles datent de l'inauguration. Ah. C'est longtemps, quand même. Après, ouais, si vous voulez goûter, tenez. Hein. Mais attendez, je suis pas sûr, hein, parce que Lincoln 180, quelqu'un est disponible pour les 10-31. Ouais, écoutez, messieurs, là, j'ai des signalements de tir, je vais devoir y aller, je vais vous laisser partir. De toute manière, vous n'avez rien de. Ouais, lieutenant. Ouais, je suis au poste du BCSO, là. J'avais des soucis, c'est pour ça. Non, parce qu'on s'est fait contrôler, j'avais pas de véhicule, j'étais en crocheter un, mais il m'a relâché tranquille. Ah ouais?
Ouais, c'est la merda. Ça raconte quoi, toi? Ça va, toi? Ça s'est passé alors hier, la Baudimara et tout? Ouais, c'était cool. Tu veux pas qu'on se voit? Ouais, on se voit, ouais. T'es où? Là, je suis au poste de Michonneau. Ah merde, moi je suis dans le nord. Tu veux pas décaler dans le nord un peu? Bah là, c'est bon, je monte. Eh bah vas-y. Ouais, là, je suis au poste, ouais. Bah là, ça marche. Vas-y, je t'attends. Alors, le début c'était bien. Bonne énergie. Deuxième point, ne pas tirer. Et troisième point, tirer. En fait, il y a un qui disait de pas tirer, l'autre qui disait tirer. Et le quatrième point, faut pas être respectueux. Faut insulter sa grand-mère. Et cinquième point, lui mettre un gros coup de pression. C'est quoi la rature là? T'as barré quoi là? Hein? Non, ça j'avais marqué au cas où parler de la mère de Tony. Mais ça c'est pas besoin ça. Ouais. Mais stresse pas. Hein. Ouais, mais non, je stresse pas. Après, c'est pas comme si on allait braquer un mec de la DOA quoi. C'est pas. Ouais, directeur de la DOA, il est. Non. Attends, je te rappelle. Wow. Oh. Salut les mecs. Je te rappelle. Oh, le pilotage. Hey, salut. Ça va, Chili? Ça va, vous allez bien, beau gosse? Ouais, ça fait longtemps. Bah, un peu dedans, mes potes. T'as vu ou pas? Allez, ça marche. T'es pep, hein? T'as vu le bonnet ou pas? Ah, quel bonnet? Le bonnet, le chapeau qu'on a, t'as vu ou pas? Ouais, j'ai vu, bah quoi? Mon pote. Ça doit vous apporter quelque chose. On est des cowboys maintenant. Ça va, les mecs, vous allez bien? Et vous êtes vraiment mes copains, là. Vous êtes trop tous les deux. Bah ouais. En plus, on n'arrêtait pas de penser à toi et tout. C'est vrai. On a plein d'infos pour toi et tout. Ouais. Ça nous a trop manqué. Oh, c'est trop incroyable. Laisse tomber. Je vous aime trop, les copains. En plus, on travaille trop bien ensemble depuis la dernière fois. Mais du coup. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Alors, ça se passe comment avec Suzanne et tout? Ça va mieux? Bah ouais, Suzanne, elle va mieux, vous inquiétez pas. Et puis, tu sais, j'ai tourné la page, je vous en veux absolument pas, quoi. Ouais, ah, ça bat, c'est exactement ce qu'on se disait en plus à l'instant avec des amis. C'est vrai. Ouais. Je te jure, Sully, la dernière fois quand t'as pleuré devant nous, ça nous a fait quelque chose, vraiment. C'est vrai. On s'est dit, mais le pauvre, il a pas de potes et tout, on est ses seuls potes, malgré qu'on était des fils de pute avec toi, et que toi aussi t'étais un gros fils de pute avec nous. Ouais, c'est vrai, pourquoi, ouais. Pourquoi ne pas être une équipe de fils d'eux, tu vois ce que je veux dire? Voilà, exactement. Voilà, entre nous. Ouais. Tu positionnes sur moi là. C'est grave drôle, voilà, je te jure. On va où comme ça? Bah, je veux trouver un petit endroit tranquille histoire qu'on puisse discuter. Vas-y. Comme dirait Bougna entre clanches, quoi. Ça veut dire quoi d'ailleurs ça? Je sais pas, c'est lui qui étudie ça. D'accord, entre clanches. Ouais. Entre clanches. Stress. Ouais, je fais du changement dans ma vie. Stress. Ouais. Depuis hier, que j'ai arrêté de la Baudemara et puis j'ai super bien dormi aujourd'hui. Là, je me suis dit que voilà, j'étais un nouvel homme et du coup voilà, j'étais prêt à accepter de commencer à manger du mafé. Ah, c'est quoi le rapport? Je voudrais bien goûter un jour. Mais c'est quoi le rapport? C'est bien, bravo. Mais ils mangent pas des mafés, les marins? Non mais juste comme ça, tu vois, à titre informatif. Tu veux t'approcher de nous pour mieux nous comprendre. Ouais, c'est bien. Tiens, bois un peu. Je fais une crise d'asthme, boy. Qu'est-ce qu'il y a? Il fait une crise d'asthme. C'est la nature, je suis pas trop. C'est à cause du pollen, à mon avis. Ouais, je préfère la pollution, moi, tu vois. Ah ouais? Ouais, je préfère quand il y a des voitures et tout, il y a la pollution. Oui. On peut s'arrêter ici, c'est bien ici, dans les copains. Bah vas-y. Doucement en dessous là. Bah, du coup, vous vouliez me dire quoi? Bah rien, on voulait prendre tes nouvelles, comment s'est passé avec le labo des Maras et tout. Ouais, bah écoute, le labo des Maras, il s'est super bien passé. Bon, le réfé, il s'est pas pointé, enfin, il s'est pointé à la fin, il a eu des petits cocktails Molotov. On les a renvoyés chez eux, hein, si vous voyez ce que je veux dire, moi. Ouais, bah oui. Ouais. Il y a eu un article sur Weasel, j'étais super content quoi. Parce qu'après, il y a des fans qui m'ont appelé, ouais, allô, Sully, t'es trop un beau gosse en fait. Ça te dirait pas qu'on se voit dans mon appartement et que voilà, tu fais le plombier quoi, tu vois ce que je veux dire? À ce point-là? Ouais, à ce point-là. Putain. Et du coup, ce matin, avant de prendre mon service, je me suis dit, eh bah, tu sais quoi, Nick, je prends pas mon service aujourd'hui. J'ai dit quoi? J'ai dit, eh bah, aujourd'hui, je vais passer du temps avec une femme. Bah, pas ma femme parce que j'ai pas de femme. Ouais. Et puis, du coup, voilà. On est content pour toi aussi. Franchement, ça fait grave plaisir d'avoir des nouvelles comme ça. Il y a des nouvelles qui donnent le smile. Tu sais que t'es devenu un exemple pour nous, hein, vraiment. C'est vrai. Ah ouais. Franchement, là on serait pas tes potes par exemple, je pense qu'on t'aurait soulevé à mon avis. Ouais. Ah ouais. Ouais. En plus c'est l'endroit idéal, tu sais. Je te jure, on n'est pas. Ouais, c'est vrai en plus. On peut te mettre dans le truc. Genre si on était vraiment des fils de pute, on t'aurait dit ouais, franchement, faut que t'arrêtes de nous casser les couilles parce que sinon un jour on va te buter, mais t'as vu, on est pas comme ça nous. Mais non, il est trop drôle lui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais heureusement, on n'est pas des mecs comme ça. Non, bien sûr que non. Mais imaginons. Oui. Imaginons qu'on te dise genre, ouais, il y aurait moyen que tu nous laisses tranquille et tout. Comment t'aurais réagi? Ouais, comment t'aurais réagi? On te dit, laisse-nous tranquille. Pas coup de pression, mais... Non. Non, mais c'est pas ça. Non, c'est pas... Pas de c'est un exercice. C'est passé l'autre fois ou quoi, les gars? Vous voulez me casser dans mon bon mood, dans mon...
dans mon mood of the day. Non, non, reste comme t'es, reste comme t'es. Ah bah, bah, ouais. Mais juste, on te dit, Sully, s'il te plaît, avec une forme de politesse, ouais, bah, arrête moi, de nous casser les couilles avant qu'on s'énerve. Bah moi, je vais dire gentiment, s'il te plaît, va te faire enculer. Ah ouais, non, mais non, Sully, non, s'il te plaît, t'es pas... C'était quoi? Attends, faut que je relise mes notes. Vas-y, parle-lui, parle-lui. Ok, ouais. Attends, point numéro 1. Mais, d'accord. Du coup, Sully, ouais. tu peux nous laisser tranquille, s'il te plaît? Attends, mais c'est quoi ce délire, là? Pourquoi depuis tout à l'heure, on me demandait de vous laisser tranquille? Parce qu'en fait, on veut être tranquille, c'est pour ça. Genre, tu vois, comment ça, vous voulez être tranquille? T'as vu l'arme où t'as mis des empreintes? Juste t'essuies, tu vois, et mon dossier, tu l'arraches. Ça sera... Mais attendez, vous pensez que c'est aussi facile que ça? Mais bah oui, je pense, non? On t'a dit, s'il te plaît. Vous voulez vraiment faire nouvelle vie, c'est ça? Ouais, ouais, bien, ouais, ouais, ça serait bien. Ça serait eh ben, vous êtes sûr? Bah, on ouais. travaille bien ensemble quand même, les copains. Ouais. Oui, non, mais après, on pourrait se donner des nouvelles. De temps en temps. Ouais, attends, c'est sûr. Ouais, attends, attends, attends. Ouais, parce que j'ai. On n'a pas. Parce que imaginons qu'on est des mecs dangereux et tout. On serait ouais. on serait obligé de tuer un peu quoi. Quoi? Non mais j'ai dit si on était des mecs dangereux, tu vois, c'est ce que je suis en train de dire. Et on n'est pas des mecs dangereux. Ouais, bien sûr, vous êtes pas des mecs dangereux. Eh ouais. T'as vu mon dossier, t'as vu son dossier. Ah ouais. On est des surtout Tony, ce fils des p*tes là et tout. Mais bon, voilà quoi. On voulait vraiment qu'on arrête. Bah s'il te plaît. Ouais, en vrai, genre d'un commun accord, on serre la main et puis comme ça on est bien quoi. Comme des hommes. Vas-y, bah avant de faire ça, bah j'arrive. Vas-y, ça marche. J'ai une petite surprise, un cadeau de départ. Okay. Vas-y, lourd. Ah, ça va, c'est bien passé. Tu vois, c'est compréhensif des fois. En fait, je pensais que c'était un gros FDP, mais en fait, c'est un petit FDP. Non, c'est pas un FDP du tout, même. C'est un mec gentil. Ça se voit. Bah oui, ça se voit. C'est trop un bon. Après, oula. Ouais. Attends. Le meilleur tous les deux. Mais wesh. Attends, celui. Bon, j'ai l'impression. Pour des cons tous les deux. Non. Si, vous prenez pour des cons. Ça va, c'est pas ça. Ferme ta bouche. D'accord. Non, j'ai pas été clair ou quoi la dernière fois? Mais si, j'ai. Hein? C'est lui, on a dit la vibe et tout. La vibe avec son jet. N'oublie pas, t'as rendez-vous avec une femme ce soir, faut pas que tu sois amoché, celui. Écoute, ça va être simple, tous les deux vous. Venez me casser mon ambiance. Voilà, j'étais bien, j'étais content. Et vous me reparlez de choses pour laquelle la dernière fois, j'ai quand même utilisé un Beretta, j'ai mis tes empreintes dessus et j'ai dit que j'allais les utiliser pour une enquête. Tu te rends compte dans quelle position je me suis mis? Oui, bah oui, je sais, ouais. Hein? Et y a pas de cadeau de départ là. On est où là? Oh, bah, vous prenez pour qui? Non, mais. Vous pensez que vous pouvez arrêter comme ça du jour au lendemain? On est où là? On est dans les bois. On pensait qu'on. Dans la zone de chasse. Tu m'as demandé on était où? C'est quoi en réalité? J'ai un cadeau. J'ai un petit cadeau pour toi, tu vois. Oh. J'ai vraiment un petit cadeau pour toi, Tony. Garde les mains levées. Ah, d'accord. Garde les mains levées. Eh, vous savez quoi? J'ai l'impression qu'il vous faut quelque chose pour comprendre en fait. Non, mais on a compris. Un vrai coup de pression. Non, vous avez pas compris. Pas de coup de je vais pas tirer avec mon Glock. Eh, je suis désolé, je voulais pas en arriver là. Je pensais que vous alliez comprendre que vous étiez des gars bien, vous voyez. Mais finalement, tu comprends pas, non, s'il te plaît, j'ai une arme qui... Non, j'ai une arme sans numéro de série. S'il te plaît, Sully, non mais non. Qui saurait que je vous cale une balle, tous les deux? Tire sur lui d'abord, pas sur attends, lui. Bah je sais pas en fait qui. Bah ouais, qui pourrait... personne en vrai. Qui? Bah qu'est-ce qui m'en empêche, hein? Pour vous comprenez vraiment. La femme que tu vas voir ce soir, elle t'aime parce que justement t'es un mec gentil, t'as des principes. Et ça fait pas partie de tes principes. Donc t'as des boutons. Mais oui. Les femmes, elles t'aiment pour ce que tu es et non pas pour ce que tu fais. Donc fais attention. Mais en même temps, ce que tu es, c'est ce que tu fais. Donc ça marche dans les deux sens. Sully, arrête tes bêtises. La dernière fois qu'on t'a croisé, t'étais en dépression. Et là, ça va beaucoup mieux. Tu veux vraiment redevenir dans cet état de merde. Ouais, mais non, mais c'est vous. Vous êtes en train d'essayer de non, de me demander on fait rien à chaque du tout. Fois si vous voulez bouger. Non. On a dit. En fait, regarde. On reste amis, mais on arrête juste de travailler ensemble. On n'est plus collègues de travail, mais on est des amis. C'est encore mieux. Voilà. C'est encore mieux. On s'appelle, t'imagines, tu reçois des appels. Salut, mon ami Sully, ça va, on va boire un verre. Jamais de la vie. C'était pas notre hacker. Ok, remettez-vous contre le mur, vous allez pas mal à nous avec ça. Non mais tranquille, pas besoin de t'énerver. J'en étais sûr. Moi je voulais faire des efforts. Je voulais commencer à bouffer des plats d'Afrique. Je voulais commencer. J'aurais jamais dû changer comme ça. Mais tu vas aller bouffer tes plats. Et toi, t'es tellement redescendu dans mon estime qu'à partir de maintenant, je vais arrêter de taper Tony. Tu vas te rappeler Mamadou, toi, d'accord? Oh non, pas sûr. Si, bien sûr. Et toi, Mohamed, oui. Ok? Non, c'est pareil. Mathieu. Non, c'est Mohamed maintenant, ok? Plaque-le. Là, vous me dégoûtez, vous me forcez à faire ça, c'est... Je vais... Non, calme-toi. Ta gueule, ferme ta bouche. T'es un ouf, toi. Maintenant, tu bouges pas ça. Tu vas malin, maintenant, hein? Ah, tu fais moi le malin, maintenant, hein? Qu'est-ce que vous faites? Brûle-lui le cul. Non. Voilà. Tu crois que nous on est quoi? Nous on n'est pas tes hermanos, d'accord? Donc tu vas nous laisser tranquille.
On est les trophées de la surface. Et ouais, les fesses. D'accord. Ligote-lui les pieds, ligote-lui les pieds. Allez, mets ton côté le mur, c'est le clochard là. Nous aussi on pète des câbles. T'as vu où est-ce qu'on en arrive maintenant? Là je te relève. Voilà. On inverse les rôles maintenant, hein? Bon, Sully, voilà ce qui va se passer, ok? Tu vas me repasser à notre prochain rendez-vous l'arme à laquelle que j'ai touché avec mes empreintes digitales, d'accord? Soit tu me la redonnes, soit tu me donnes une preuve que tu l'as bien détruite, d'accord? D'accord. Et tu vas nous laisser tranquille, d'accord? On veut plus travailler avec toi. C'est... Est-ce que voilà. C'est clair ou pas? D'accord. Et ça, ça va... C'est ça, c'était ça, non? Je ferme. On veut plus travailler avec toi, fils de pute. Ok? Ouais. Et redis voilà. Pas. Et la prochaine fois que tu... Que je dis que quoi? Que tu continues. La prochaine fois que tu continues, eh ben on va te matar, d'accord? Et ça sera voilà. Pas avec des cocktails, mais ça sera avec des pétards en plus, RM. Je vous ai tout donné, bande d'enculés. Non, non, tu nous as donné que c'est des mots. Tu nous as donné que des mots-têtes et des problèmes. À cause de toi, maintenant, on est dans la merde. Moi, tu me tiens par les couilles et Tony aussi avec son casier. Donc tu vas arrêter avec ces manigances, d'accord? Ça, c'est un avertissement. On va rien faire. Mais la prochaine fois, on va faire. C'est pas mal, ça. Non, on va te piquer ta mère. Va... Et la prochaine fois, là, voilà. Et aujourd'hui, on va rien faire, mais la prochaine fois, on va t'inquiéter ton niquer père. Ta père. Ton père. Ma mère. Parlez pas de beau papa. C'est... Ça te va ou pas? C'est pas trop méchant celui-là, ça va? T'as quelque chose à nous dire, t'es d'accord ou pas? Oh, c'est bon, je suis d'accord. Okay. Ah bah voilà, on peut le remettre là. Bah parfait alors, nickel. Vas-y, c'est bon, relève-toi. On te détache, hein, on te fait confiance. Oh, c'est bon, attends. J'arrive plus à marcher, mes fesses. Attends, je te coupe tes liens, bouge pas. J'aurais peut-être une note en vérité. Si, t'as fait... Fils de pute. Ça vous apprendra. Ah, mon épaule. Attends que je me relève, fils de pute, tu vas voir. Tiens ta mère. Tu vas crever, sale bâtard. Viens. Viens là. Arrête. Viens là, Sini, viens là. Arrête. Viens là, Sini. C'est bon. Mais c'est ça, fils de chien. Tiens, malade, toi, ou quoi? Alors, t'es mort. Alors là, t'es mort. Allez, c'est bon. Oh là là, on va te matar, là. Allez. Non, adieu. Arrêtez. Que le char va. Ah, je me brûle, je me suis brûlé. Non, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Je panique. Waouh. Oh, je panique. Je peux pas, t'es dans le feu. C'est bon, celui-là, il est là, lui, déjà. Viens. Mais j'en ai plus mal. Ta gueule. T'es où? Je suis là. Mais c'est bon. Mais ça, ça veut pas dire. Je savais pas. Pèse lourd, ce gros hellouf là. Trop malin pour toi, moi. Je crois que je suis bête? Eh ben non, je suis con. Mais tu crois qu'on l'a buté? Mais non, ça va, il a changé les. C'est bon, t'es revenu parmi nous, sale connard, va? Regarde, il est devenu noir. La prochaine fois, on va pas rigoler avec toi, ok? Chérie, regarde-moi quand je te parle. Ça va, tranquille. Non, regarde-moi quand je te parle. Donc la prochaine fois que tu nous casses les couilles, et ben. Je devrais passer par la manière forte. C'est-à-dire de tirer les oreilles. Non, on discute. Voilà, là on discute. Vas-y, on peut discuter. Mais le Beretta que j'ai touché, tu l'as sur toi? Non, je l'ai pas sur moi, il doit être au poste, mais. Mais t'inquiète, fais un petit appel. Attends. Pour moi, ça t'a fait un petit appel. Un petit appel de quoi? J'ai fait un petit appel. De quoi? Mes collègues, ils viennent. Quoi? Vous ramenez l'arme. Non, bouge. Ramenez l'arme. Bouge. Enculé, vous êtes foutus. Derrière, boy. Oh putain. Comment mon pote? Aïe, ouais, ça va. Lève-toi. J'ai faim, sa mère, pas d'énergie. Vous êtes à faim? Trop faim, tout à l'heure, j'ai faim. Prends la morphine. Non, mon pote, on est dans la merde. Mais non, t'inquiète. Mais boy, on a tiré sur un gueule, wesh. Bon, ouais, c'est un fils de pute, hein, quand même. Si, nous ici, il y a des habitants bizarres ici. Aïe. Accélère, mon pote. Faut qu'on se cache. On sépare ou quoi? Oh, je l'ai niqué.